The sermon, God is Identified by His Characteristics, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, March 11, 1964, at the City Auditorium in Beaumont, Texas, USA. Ce sermon, intitulé « Dieu est identifié par ses caractéristiques », a été prêché par Frère William Marion Branham le mercredi soir 11 mars 1964 à la salle municipale de Beaumont, Texas, USA. Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of leading us here to Beaumont, Texas again. Père Céleste, nous te remercions de ce privilège que tu nous aies conduits ici à Beaumont, au Texas, de nouveau. As I look around in these balconies, alors que je promène mon regard sur ces balcons, remember the times when we were here before and the great things that you did. Je me rappelle les autres fois où nous sommes venus et les grandes choses que tu as faites. No doubt many of those people are sitting right here tonight. Sans doute que beaucoup des gens qui y étaient sont assis ici même ce soir. If you had not touched their sick bodies, they would not be here tonight. Si tu n'avais pas touché leur corps malade, ils ne seraient pas ici ce soir. But you did, and they're here. Mais tu l'as fait. Et ils sont ici. Many memories linger. It'll go all into eternity with us. Beaucoup de souvenirs demeurent. Ils nous accompagneront tous jusque dans l'éternité. We pray that you'll give us a great outpouring of the Spirit. Nous te prions de nous accorder une grande effusion de l'Esprit. Bless us together. Bless every church, every member. Bénis-nous ensemble. Bénis chaque église, chaque membre. And Lord, especially bless our dear young brother here, Brother Perry Green. Et Seigneur, bénis d'une façon toute spéciale notre cher jeune frère ici, frère Perry Green. Walks out in the forefront to try to put forth this. Qui s'avance sur le front pour essayer de proclamer ceci. May the people of this lovely city see the feeling that this young man has for the people here. Puissent les gens de cette charmante ville voir ce que ce jeune homme ressent pour les gens d'ici. To bring them to the Christ that he loves. Qu'il cherche à les amener au Christ qu'il aime. And he's trying to bring in every ministry that he would think that would be right. Il essaie de présenter tous les ministères dont il pense qu'ils sont justes. That he's examined by the Word. And he wants to see the people be saved. Qu'il a examiné par la parole et il veut voir les gens être sauvés. Help us, Father, in our efforts. Aide-nous, Père, dans nos efforts. As we give ourselves to you for service to the honor and glory of God. Alors que nous nous remettons à toi pour te servir à l'honneur et à la gloire de Dieu. We ask it in Jesus' name. Amen. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Now, we just remember each night now, bring somebody with you. Maintenant, nous, souvenez-vous là, chaque soir, amenez quelqu'un avec vous. Here, get on the phone and tell somebody and tell every pastor, every church. Ou passez un coup de téléphone, parlez-en à quelqu'un et parlez-en à tous les pasteurs, à toutes les églises. No matter what it is, even if they differ with us. Peu importe ce qu'ils sont, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. As long as you can come in, sit down. Behave, be nice. We certainly appreciate you being here. Pourvu que vous veniez, que vous vous asseyiez, que vous vous teniez bien, que vous soyez gentil, certainement que nous apprécions votre présence ici. And now, bring your Bible, bring a pencil, set down the text. Et maintenant, apportez votre Bible, apportez un crayon, notez le texte. Go seek them out, check them with the Word and see if they're right or not. Allez faire des recherches, vérifier ces choses avec la parole pour voir si elles sont justes ou pas. Voyez? Et alors, ne prenez pas votre propre théologie. Prenez-le simplement comme c'est écrit dans la Bible. Voyez-vous, souvent on peut dire, ça veut dire ceci. Voici ce que ça veut dire. God don't need any interpreter. He interprets his own word. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il interprète sa propre parole. Voyez? God said, "Let there be light," and there was light. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. That didn't need any interpretation. Ça n'a pas eu besoin d'interprétation. It happened just the way he said. Il
C'est arrivé exactement tel qu'il l'avait dit. He said, a virgin shall conceive, and she did. Il a dit, une vierge concevra. Elle l'a fait. That don't need any interpretation. Ça n'a pas besoin d'interprétation. God has promised certain things for this age that's got to come to pass. Dieu a promis certaines choses pour cet âge-ci, et elles doivent s'accomplir. He said it. It don't need interpretation, man. Il l'a dit. Alors, ça n'a pas besoin d'interprétation. God said so, and he interprets himself. Dieu l'a dit, et il l'interprète lui-même. So therefore, the Bible said it's not without any private interpretation. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. God interprets his own word by vindicating it. Dieu interprète sa propre parole en la confirmant. Now I wonder if we would stand up while we read his word from the book of Hebrews, the first chapter. Maintenant, je me demande si nous pourrions nous lever pendant que nous lirons sa parole dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. The reason I ask you to stand is in honor of this word. La raison pour laquelle je vous demande de vous lever, c'est en l'honneur de cette parole. I believe that the word is God. Je crois que la parole est Dieu. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. And the word was made flesh and dwelt among us, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. That's the theme of our campaigns. C'est le thème de nos campagnes. Therefore, when we read his printed self here on this word, we stand. Par conséquent, quand nous le lisons, lui, sous forme imprimée, dans cette parole, ici, nous nous tenons debout. When we pledge allegiance to the flag. Quand nous promettons fidélité à la patrie devant le drapeau. When our flag passes by, we stand in honor of our flag, our nation, we should do it. Quand notre drapeau passe, nous nous tenons debout en l'honneur de notre drapeau, de notre pays. C'est ce que nous devrions faire. Then how much more should we stand when we read the word of God? Alors, à combien plus forte raison devrions-nous nous tenir debout quand nous lisons la parole de Dieu? Hebrews 1, 1 to 3, as we read. Hébreux 1, 1 à 3, alors que nous lisons. God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Hath in these last days spoken to us by his son. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Whom he has appointed heir over all things, by whom also he made the worlds. Il a établi héritier sur toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Who being in the brightness of his glory and express image of his person. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, est l'expression de son être. And upholding all things by the word of his power, soutient toutes choses par sa parole puissante. When he had by himself purged our sins, après avoir accompli la purification des péchés, sat down on the right hand of the majesty on high. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Let us pray. Prions. How many now with bowed heads and hearts would like to be remembered in prayer? Combien maintenant alors que les têtes et les cœurs sont inclinés aimeraient qu'on pense à eux en prière? That through this meeting somewhere, God will grant your request. Pour qu'au cours de cette réunion, quelque part, Dieu vous accorde votre requête. Just lift your hands. The Lord sees your hand. Levez simplement la main. Le Seigneur voit votre main. Our Heavenly Father, so far as my human eyes could see, there was a complete mass of hands. Notre Père Céleste, aussi loin que mes yeux humains me permettaient de voir, il y avait une foule de mains partout. Surely, Brother Green's revelation and my desire to come was right. Assurément, la révélation de Frère Green et mon désir de venir étaient justes. Father, give them their desire according to thy word and thy promise. Maintenant, Père, donne-leur ce qu'ils désirent, selon ta parole et ta promesse.
We commit them to thee. Nous te les confions. And may our lives be so fitted with the Word that the Word will become flesh among us. Et puissent nos vies être tellement conformes à la parole que la parole se fera chair parmi nous. And will give the people faith to draw from their account in heaven which Jesus settled for them long ago for their sins and sickness as they're in the journey. Et donnera aux gens la foi qu'il faut pour puiser dans leur compte au ciel dont Jésus s'est occupé pour eux il y a longtemps, pour leurs péchés et la maladie qu'ils auraient pendant leur voyage. Bless us now, we pray, as we wait on thee to reveal to us thy word. Bénis-nous maintenant, nous prions, alors que nous nous attendons à toi, que tu nous révèles ta parole. And make it flesh among us, for we ask it in Jesus' name. Amen. You be seated. Et que tu la fasses chair parmi nous, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Now, would if you would just try to don't move around no more than what you possibly can help. Maintenant, je vous demanderai, si vous le voulez bien, essayez de vous déplacer le moins possible. By me getting up and going until just the next 45-50 minutes, something like that. Je veux dire, pour ce qui est de vous lever et de sortir avant les 45-50 prochaines minutes, quelque chose comme ça. Now, the thing is this. We want to know what is truth. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous voulons connaître la vérité. And that's the only one truth that I know is the Bible. Et la seule et unique vérité que je connaisse, c'est la Bible. Now God is going to judge the world someday. We believe that. Or, un jour, Dieu va juger le monde. Ça, nous le croyons. And each one of us mortals is going to be brought into His presence for judgment. Et chacun de nous mortels, nous serons emmenés dans Sa présence pour le jugement. I have a few notes wrote out here in scriptures that I want to refer to in a few minutes. J'ai noté quelques points ici et quelques passages de l'Écriture auxquels je voudrais me référer dans quelques minutes. Now remember, if I should ask tonight, maintenant, souvenez-vous, si je demandais ce soir, is there a Catholic here? Yes, it seems perhaps. Y a-t-il un catholique ici? Oui, dirait-il, peut-être. Well, what will God judge the world by? They'd say the Catholic Church. Eh bien, par quoi Dieu va-t-il juger le monde? Il dirait l'Église catholique. Then I'd say back, what Catholic Church? Alors, je dirais encore, laquelle des Églises catholiques? They disagree. There's plenty of disagreements. Elles sont en désaccord. Il y a énormément de désaccords entre elles. One's a Roman, one's a Greek, and the Orthodox, so forth. We have plenty. L'une est romaine, l'autre est grecque. Il y a l'orthodoxe, et ainsi de suite. Nous en avons énormément. If I'd say the Methodists raise up, say he'll judge it by the Methodist Church. Si je disais, les méthodistes se lèveraient, ils diraient, il va le juger par l'Église méthodiste. Well, if that's so, then the Baptist has not a chance. Eh bien, si c'est le cas, alors les baptistes n'ont pas la moindre chance d'y arriver. If they judge it by the Baptist, then the Methodist doesn't have a chance. Et s'ils en jugent par les baptistes, alors les méthodistes n'ont pas la moindre chance d'y arriver. Because remember, one little misquoting of the word. En effet, souvenez-vous de citer incorrectement une seule petite partie de la parole. One, not all, just not all of one verse. Une seule, pas toute, pas même un verset en entier. Just one little iota of misbelieving the word caused ever death, ever sickness, ever sorrow. Seulement un petit iota de ne pas croire la parole telle qu'elle. C'est ce qui a causé toutes les morts, toutes les maladies, tous les chagrins. That was Eve in the Garden of Eden. Ça a été le cas d'Ève dans le Jardin d'Éden. Now, if all this cost that for just one lady misunderstanding the word. Maintenant, si tout ceci, c'est ce qu'il en a coûté à cause d'une seule dame qui a mal compris la parole. She didn't do it willfully. She was deceived, the Bible said. Elle ne l'a pas fait volontairement. Elle a été séduite, nous dit la Bible. Deceived by the word caused all this. Séduite, d'après la parole, c'est ce qui a causé tout ceci. Then you and I are not going back with anything less than the entire word.
Alors, vous et moi, nous ne retournerons pas là-bas à moins d'avoir la parole entière. Now, I believe the Bible says that he won't... Or, je crois que la Bible dit qu'il ne... I don't believe God will judge the world by the Pentecostal church. Methodist, Baptist, or Catholic. Je ne crois pas que Dieu va juger le monde par l'église pentecôtiste, par l'église méthodiste, baptiste ou catholique. He'll judge it by Jesus Christ. Amen. He said so. Amen. And Christ is the Word. Il va le juger par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Et Christ est la parole. In the beginning was the Word. Word was with God. And the Word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, la même hier, aujourd'hui et éternellement. The whole thing is a great eternal. Tout ça, c'est le grand éternel. Eternity never did begin, it never can end. L'éternité n'a jamais eu de commencement et ne pourra jamais avoir de fin. Therefore, in this great eternal one was attributes. Donc, dans ce grand être éternel, il y avait des attributs. To be father, to be son, to be savior, to be healer. D'être un père, d'être un fils, d'être un sauveur, d'être un guérisseur. And all these things was in him. Et toutes ces choses se trouvaient en lui. And only thing is happening now is displaying his attributes. That's all. Et ce qui se passe maintenant, c'est simplement qu'il manifeste ses attributs. C'est tout. Now, our names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Or, nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. And when the word strikes that, if it's any light there that's been ordained to life. Et quand la parole frappe cela, s'il s'y trouve de la lumière qui était destinée à la vie, Jesus said, no man can come to me except my Father draws. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. And all that my Father has given me will come to me. Et tous ceux que mon Père m'a donné viendront à moi. So, you see, it's the Word constantly, the Word. Alors, vous voyez, c'est la parole, constamment, la parole, la parole. Now, I want to speak tonight upon the subject. Maintenant, je voudrais parler ce soir du sujet. Drawing from a context out of this text that we read. En puisant un contexte du texte que nous lisons. God is identified by his characteristics. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Now, most everything that we find can be identified by its characteristics. Or, presque tout ce qu'on rencontre peut être identifié par ses caractéristiques. Now we notice like in animal life. You take like in bird life. Or, nous remarquons, par exemple, les animaux. Prenez, par exemple, les oiseaux. Now you take like a yellowhammer when he's flying and a jaybird. They look a whole lot alike. Bon, prenez, par exemple, un bruant jaune quand il vole et un jay. Ils se ressemblent beaucoup. But the characteristic of the yellowhammer, he flops his wings and drops, and then up and down, that's a characteristic. Mais la caractéristique du bruant jaune, il bat des ailes et il descend. Et il monte et descend, c'est ce qui le caractérise. If you notice, the jaybird flies more in a V-line. Si vous remarquez, le jay, lui, il vole plus en ligne droite. You watch the quail when he comes up, the Bob White. How he flies. Regardez bien arriver le colin de Virginie, sa façon de voler. What's a gamble quail when it comes up, you hunters? You see, there's a difference. Regardez bien arriver le colin de Gambelle quand lui il arrive, vous les chasseurs. Vous voyez, il y a une différence. What's the jacksnipe and the Wilson snipe? The characteristic determines what he is. Observez la bécassine sourde et la bécassine des marais. C'est par la caractéristique qu'on détermine ce que c'est. A great sheep standing on the mountainside. Un gros mouton qui se tiendrait sur le flanc d'une montagne. If he had his back turned, the back part of the rump is white, the other part's gray. S'il avait le dos tourné, la partie arrière de la croupe est blanche, l'autre partie est grise. If you didn't know the characteristics of that sheep, it could be a deer. Si vous ne connaissiez pas les caractéristiques de ce mouton, ce pourrait être un cerf. Voyez? See, you have to know the characteristics of them to detect
what is and what is not. Voyez-vous, vous devez en connaître les caractéristiques pour détecter ce que c'est et ce que ce n'est pas. Many things we could go on telling you about animal life. Il y a bien des choses que nous pourrions encore vous dire à propos des animaux. Then we come down to the human life, the characteristics between a man and a woman. Ensuite, nous en venons aux humains, les caractéristiques qui distinguent un homme et une femme. There's a difference. They're both human beings, but the characteristics of the two sex detect them. Il y a une différence. Tous deux sont des êtres humains, mais c'est par les caractéristiques des deux sexes qu'on peut détecter ce qu'ils sont. I was reading some time ago about one of the problems that was put to the test of Solomon by the queen. Il y a quelque temps, je lisais le récit d'un des problèmes qui avait été soumis à Salomon comme test par la reine. He had some women dressed like men, and Solomon had them to walk and do a few things. Quickly, he said, "Them's women." Elle avait fait habiller quelques femmes comme des hommes. Salomon les a fait marcher, elle leur a fait faire deux ou trois choses. Tout de suite, il a dit, ce sont des femmes, ça. See, because that he could tell the way they did, that the characteristics of them was women. Voyez-vous, c'est parce qu'ils pouvaient déceler par leur manière de faire que leur caractéristique était celle des femmes. There's something about it that you can't hide it. It's a woman because her characteristic denotes her to be a woman. Il y a chez elle un je ne sais quoi. On ne peut pas le cacher. C'est une femme parce que sa caractéristique indique qu'elle est une femme. It's just like right hand and left hand on people. They're both people. C'est tout comme la main droite et la main gauche chez les personnes. Ce sont des personnes toutes les deux. You watch, one of them's right-handed and the other is left-handed. Vous observez, l'une d'elles est droitière et l'autre est gauchère. Watch the way their characteristics detect them. You can tell whether they're right or left-handed or not, see? Observez comment on peut détecter ce que c'est. Par leurs caractéristiques, on peut voir s'ils sont droitiers ou gauchers. Oui ou non, voyez? Yet they both got hands. Both hands look just exactly alike. Just exactly alike. Pourtant, ils ont tous les deux des mains. En apparence, les deux mains sont tout à fait semblables. Tout à fait semblables. I might drop a little something here. Je pourrais peut-être dire un petit quelque chose en passant ici. Jesus said in Matthew 24 chapter, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, that in the last days the two spirits would be so close together till it would deceive the very elected if it was possible. Que dans les derniers jours les deux esprits seraient tellement proches l'un de l'autre que ça séduirait même les élus si c'était possible. Now that's just like looking at a right hand and a left hand. Maintenant, ça, c'est vraiment comme de regarder une main droite et une main gauche. They both got thumbs, fingers, nails, small fingers, middle fingers, so forth, index. All are different fingers. Les deux ont un pouce, des doigts, des ongles, un petit doigt, un majeur, et ainsi de suite, un index. Ce sont tous des doigts différents. They're both the thumbprints. One's just turned one way, one the other. Elles, les deux empreintes de pouce, la seule chose, c'est que l'une, c'est dans un sens et l'autre dans l'autre. Both the same print, made the same way, the thumbprints. C'est la même empreinte pour les deux, faites pareil, les empreintes de pouce. Everything is identically alike. The only difference is the characteristic of it. Tout est parfaitement identique. La seule différence, c'est la caractéristique. One is a left hand and one is a right hand. That's the only difference. L'une est une main gauche et l'autre est une main droite. C'est la seule différence. And that's just the way the spirits will be in the last day. Et ce sera exactement pareil pour les esprits au dernier jour. They will just the characteristic of it will detect whether it is of God or not. C'est seulement par les caractéristiques qu'on pourra détecter s'ils sont de Dieu ou pas. One of them will be right and the other will be wrong. You'll only know it by the characteristic of God. L'un d'eux sera dans le vrai et l'autre sera dans l'erreur. C'est uniquement à la caractéristique de Dieu que vous les reconnaîtrez. Just perfectly, it'll have to be that way. Parfaitement, il faudra qu'il en soit ainsi. But right hand, we'd say, is right. The left hand was wrong. See, or vice versa. Mais la main droite, on pourrait dire que c'est la bonne et que la main gauche, ce n'est pas la bonne. Voyez-vous, ou vice versa. One of them, they're determined by their characteristics. L'une des deux,
leurs caractéristiques, c'est par elles qu'on détermine ce que c'est. Only can you know it by its characteristic. C'est uniquement à sa caractéristique que vous pouvez reconnaître ce qu'il en est. As Israel was in its journey coming up out of Egypt. Comme Israël, pendant qu'il faisait route en sortant de l'Égypte. Now God was with Israel. Or Dieu était avec Israël. He had showed them a great sign down there, sent a prophet to them and identified his written word. Il leur avait montré un grand signe là-bas. Il leur avait envoyé un prophète et il avait identifié sa parole écrite. And as he brought them up, we watch his characteristic. Et comme il les conduisait, nous observons sa caractéristique. How he met Moses, the things that he did. La façon dont il a rencontré Moïse, les choses qu'il a faites. On his the road up, they come to another nation, which was Moab. Et pendant qu'il faisait route, ils ont rencontré une autre nation. C'était celle de Moab. And Moab was a great nation. Not heathen, by no means. Et Moab, c'était une grande nation là, pas des païens, absolument pas. That was Lot's daughter's children, and they were believers. C'était les enfants des filles de Lot, et c'était des croyants. Now watch the two nations. One of them is a recognized nation. Maintenant, observez les deux nations. L'une d'elles est une nation reconnue. The other one is just a sojourner. L'autre ne fait que demeurer dans le pays. And now they come to the place that. Et donc, ils arrivent quelque part. This great nation of Moab lays right straight in the line of their path of duty to go to the promised land. Où cette grande nation de Moab est en plein sur leur chemin, alors qu'ils sont sur le sentier du devoir pour se rendre au pays promis. Now, they had, look at the two nations. Each of them had a prophet. Or, ils avaient, regardez les deux nations, elles avaient chacune un prophète. One of them was the great teacher and prophet Balaam. L'un d'eux, c'était le grand enseignant et le prophète Balaam. The other was Moses. L'autre, c'était Moïse. Now Balaam comes down from to curse Israel. Voilà Balaam qui se présente pour maudire Israël. And notice, both of them were absolutely fundamental. Et remarquez, tous les deux, ils étaient tout à fait fondamentalistes. The prophet, fundamentalist from Balaam, said. Le prophète des fondamentalistes qui suivaient Balaam a dit. Build me seven altars. That's exactly God's number. Bâtis-moi sept autels. C'est exactement le nombre de Dieu. And offer up on each altar a clean sacrifice, a bullock. Et offre sur chaque autel un sacrifice pur, un taureau. Which is exactly the same sacrifice they had down in the camp of Israel. Exactement le même sacrifice que ce qu'ils avaient dans le camp d'Israël. And he said, upon each altar also offer a ram. Et il a dit, sur chaque autel offre également un bélier. Speaking of the coming of Christ. Ce qui annonçait la venue de Christ. And down in Israel they offered the same sacrifice. Et là-bas en Israël, ils offraient le même sacrifice. Same altars, same God, but one of them was wrong and the other was right. Les mêmes autels, le même Dieu, mais l'un d'eux avait tort et l'autre avait raison. And now the only way that you could tell which was. Et maintenant, le seul moyen de déceler lequel. When it come fundamentally to the word, both of them were right. Fondamentalement, pour ce qui est de la parole, ils avaient tous les deux raison. But you see, one. His motives is wrong. Mais vous voyez, l'un d'eux, ses motifs n'étaient pas bons. He was trying to cut off his brother from the line of promise that God had given. Il cherchait à barrer la route à son frère qui cheminait vers la promesse que Dieu lui avait donnée. Another thing. Autre chose. The prophet of Balaam was fundamental. Celui-là, le prophète Balaam, était fondamentaliste. But the prophet Moses was identified by the characteristics of God. Mais le prophète Moïse était identifié par les caractéristiques de Dieu. There was a pillar of fire, supernatural light hanging over them. Il y avait la colonne de feu,
une lumière surnaturelle suspendue au-dessus d'eux. And there was great healings in their camp. Et il y avait de grandes guérisons dans leur camp. Supernatural God showing supernatural signs. Un Dieu surnaturel qui montrait des signes surnaturels. And they were staying exactly with the word of promise. Et ils s'en tenaient précisément à la parole de la promesse. That God gave Abraham back in the time that both nations started. Que Dieu avait donné à Abraham bien avant quand les deux nations avaient pris naissance. But now Moses had Abraham's promise going to the promised land. Mais maintenant, Moïse, avec la promesse qui avait été donnée à Abraham, il se dirigeait vers le pays promis. Balaam, also a prophet of the Lord, standing down there. Balaam, qui était aussi un prophète de l'Éternel, il était là-bas. And the only way that you could identify, not from their fundamental teaching. Et le seul moyen de pouvoir les identifier, ce n'était pas par leur enseignement fondamentaliste. But by the characteristic of God. Mais par la caractéristique de Dieu. There was the sound of a shout of the voice of the king down here with Israel. Il y avait le son d'un cri, la voix du roi ici avec Israël. The atonement was in effect. L'expiation était en action. A brass serpent, a smitten rock. Un serpent d'airain, un rocher frappé. And God was with them. Et Dieu était avec eux. Identifying himself in a supernatural light. Il s'identifiait dans une lumière surnaturelle. And healing their sickness and diseases as they went on. Et il guérissait leurs maladies et leurs maux au long de la route. The characteristics prove what he was. Les caractéristiques démontraient ce qu'il était. Staying in the line of the word. For that age, en étant conformes à la parole pour cet âge-là, for the age that they were living in, pour l'âge dans lequel ils vivaient. God's characteristics identified himself with Moses. Les caractéristiques de Dieu qu'il identifiait avec Moïse. See, the characteristics of God identified with Moses. Voyez-vous, les caractéristiques de Dieu s'identifiaient avec Moïse. The pillar of fire, the atonement action, la colonne de feu, l'expiation en action. The supernatural smitten rock and they also the brass serpent, speaking of healing. Le rocher frappé surnaturel et il, le serpent d'airain aussi qui attestait la guérison. And then again, they were in the line of duty of the promise of God. Et aussi, c'est qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction, alignés sur la promesse de Dieu. Again, God's characteristics is not natural. Notez aussi, les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. God's characteristic is supernatural. La caractéristique de Dieu est surnaturelle. Because he is a creator. Parce qu'il est un créateur. He is a supernatural. Il est surnaturel. And when God's characteristic begins to display itself, et quand la caractéristique de Dieu se met à se manifester, it's so unusual to the modern thinking that it throws them off the line. C'est quelque chose de tellement étranger à la pensée contemporaine que ça désoriente les gens. They cannot understand it. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Yet he never gets away from his promise. Pourtant, il ne dévie jamais de sa promesse. God in all ages has said of a lot of the word. Dieu, à tous les âges, comme je l'ai dit, il a assigné une portion de sa parole. Let's just take for instance one. Prenons-en un comme exemple. There was Joseph, the husband of Mary. Il y a eu Joseph, l'époux de Marie. And now he was engaged to this young lady. And they were to be married. Et bon, il était fiancé à cette jeune fille et ils devaient se marier. But then, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. Mais là, avant leur union, elle se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Now we all believe that. Or ça, nous le croyons tous. If we're Christians, we must believe that in order to be a Christian. Si nous sommes chrétiens, nous devons le croire pour être chrétiens. That's the Bible. You got to believe every word in the Bible to be a Christian. C'est la Bible. Vous devez croire chaque parole de la Bible pour être chrétien. Now, because if the Holy Spirit is in your... Bon, parce que si le Saint-Esprit est ici, à l'intérieur...
It'll punctuate every word and every promise with an amen. Il ponctuera chaque parole et chaque promesse d'un amen. Because now Joseph was a just man. He was a good man. Parce que, bon, Joseph était un homme de bien. Il était un brave homme. And no doubt that Mary had told him the visit of Gabriel. Et sans doute que Marie lui avait parlé de la visite de Gabriel. And how that she is to be overshadowed by the Holy Spirit. Comme quoi le Saint-Esprit allait la couvrir de son ombre. And was to conceive and bear a son. Qu'elle allait concevoir et donner naissance à un fils. And his name was to be called Jesus. Et qu'il s'appellerait du nom de Jésus. How that she must have told that to Joseph. Elle avait certainement dû dire ces choses à Joseph. And Joseph could look in her big brown eyes and he could see the innocence of it and he wanted to believe that. Et Joseph pouvait regarder dans ses grands yeux bruns et il pouvait voir son innocence et il voulait croire ça. He wanted to believe it with all of his heart, yet it was too unusual. Il voulait le croire de tout son cœur, mais ça sortait trop de l'ordinaire. And he was minded to put her away privately. Il se proposait donc de rompre secrètement avec elle. Now, if a man is sincere in it, maintenant, si un homme est sincère dans ce qu'il fait, God will make some way to show that man that is truth. Dieu va pourvoir d'un moyen de montrer à cet homme que c'est la vérité. He's obligated if you're sincere. Il est dans l'obligation de le faire si vous êtes sincère. If you sit and walk away from it, then you're to be judged. Si vous le voyez et que vous vous en détournez, dans ce cas, vous serez jugé. But if you're sincere and see truth. Mais si vous êtes sincère et que vous voyez la vérité. Now, Joseph was this minded. Or, Joseph, il se proposait de le faire. C'est tout. He said, it's so unusual. Il disait, ça sort tellement de l'ordinaire. That's the way today. C'est comme ça aujourd'hui. That people, good man, fine man, good character man. Que des gens, de braves hommes, des hommes très bien, des hommes de bon caractère, des bons ministres. Many of them, priests and so forth, are good men. Beaucoup d'entre eux, des prêtres et tout, ce sont de braves hommes. But the supernatural vindication of the promise of this day is so unusual, it throws them off of their balance. Mais la confirmation surnaturelle de la promesse de ce jour-ci sort tellement de l'ordinaire. Que cela les déconcerte. It does that because it's displaying the characteristic of God. Et cela parce que c'est la caractéristique de Dieu qui se manifeste. Now Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her public example. Donc Joseph, son époux, qui était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. He couldn't believe it. He tried to. Il n'arrivait pas à le croire. Il essayait. But while he thought on these things, the angel of the Lord spoke to him and told him. Mais comme il méditait sur ces choses, l'ange du Seigneur lui a parlé et lui a dit ce qu'il en était. Now, I don't always have to speak in a dream. Bon, il ne va pas toujours nécessairement parler dans un songe. He can reveal himself to you by the word. Il peut se révéler à vous par la parole. And show you that it's right if you're sincere enough to look into it and see if it is God's characteristic that's displaying itself. Et vous montrer que c'est bien exact. Si vous êtes assez sincère pour examiner cela, pour voir si c'est la caractéristique de Dieu qui se manifeste. But always and ever accord with the promised word. Mais ce sera toujours en harmonie parfaite avec la parole promise. And another thing, the word of God always corrects the error. Autre chose, la parole de Dieu corrige toujours l'erreur. You believe that? Le croyez-vous? The word settles it. La parole règle la question. When God vindicates that word, it settles it. Quand Dieu confirme cette parole, ça règle la question. Now this one in my mind I'd like to think. Maintenant nous allons. J'en ai un exemple à l'esprit sur lequel j'aimerais méditer. We won't take too much time because we want to pray for some sick. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps parce que nous voulons prier pour quelques malades. Let's see. When Jesus being the word, voyons un peu. Quand Jésus, qui était la parole, the Bible said he was the word, we all agree with that, that he was the word. La Bible dit qu'il était la parole. Nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il était la parole. Notice, when he was 12 years of age. Remarquez, quand il était âgé de 12 ans.
Now, we have no record of him going to school. Or, nulle part, il ne nous est fait mention qu'il soit allé à l'école. But a little 12-year-old boy, about so high. Mais un jeune garçon de 12 ans, à peu près grand comme ça. His parents, Mary and Joseph, went up to the temple. Ses parents, Marie et Joseph, sont montés au temple. To worship at the Passover. Pour adorer à la Pâque. And while they were up there, they started back home after the Passover. Et pendant qu'ils étaient là-bas, après la Pâque, ils ont repris la route. They had 3 days journey. Ils avaient 3 jours de route à faire. And they could not find Jesus anywhere. Et ils ne trouvaient plus Jésus nulle part. And finally they found him after 3 days of looking for him. Et ils ont fini par le trouver après l'avoir cherché pendant 3 jours. In the temple, disputing the word of God with those elders. Il était dans le temple en train de débattre la parole de Dieu avec les anciens de là-bas. And listen to Mary now. Et écoutez bien Marie là. Now, to the people who take her to be a goddess. Maintenant, pour les gens qui la prennent pour une déesse. Look, you see the woman was deceived in the beginning. Regardez, voyez-vous, c'est la femme qui a été séduite au commencement. And watch her here. If you never noticed it, watch this. Et regardez-la bien ici. Si vous ne l'avez jamais remarqué, regardez bien ceci. She said, "Thy father and I have sought thee with tears." Elle a dit, ton père et moi, nous te cherchions avec larmes. Notice, she condemned the testimony before those priests that she testified of. Remarquez, elle a condamné le témoignage devant ses sacrificateurs, la chose dont elle avait témoigné. She said she was conceived by the Holy Ghost. Elle avait dit qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. And here she called Joseph his father. Et voici qu'elle appelait Joseph son père. Now watch that 12-year-old boy being the word for that hour. Maintenant, regardez bien ce garçon de 12 ans qui était la parole pour cette heure-là. He was the promised word for that hour, the anointed Messiah. Il était la parole promise pour cette heure-là, le Messie oint. Watch what he said. Regardez bien ce qu'il a dit. Know ye not that I must be about my father's business? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? The word corrects the error. La parole corrige l'erreur. See, in the supernatural, 12-year-old child. Voyez-vous, et le surnaturel, un enfant de 12 ans. I do not think that Jesus understood what he said. Je ne pense pas que Jésus ait compris ce qu'il disait. But he was the word, and the word corrects the error. Mais il était la parole, et la parole corrige l'erreur. See, he corrected his mother, and rebuked her in saying so. Voyez-vous, il a corrigé sa mère, et il l'a réprimandée en parlant ainsi. Now, if it'd been his father's business, he'd been with his father. Or, si c'était les affaires de son père, il aurait été avec son père. If Joseph was his father. Si Joseph avait été son père. But see, her all tore up and excited like Eve was and influenced. Mais voyez-vous, comme elle était toute chavirée et agitée comme Ève et influencée. Why, she said, your father and I have sought thee with tears. Eh bien, elle a dit, ton père et moi, nous te cherchions avec larmes. She said, don't you know that I must be about my father's business? Il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? See how the word is corrective, it corrects the error. Vous voyez comme la parole est correctrice, elle corrige l'erreur. Satan made a mistake when he tried to tempt Jesus. Satan a fait une erreur quand il a essayé de tenter Jésus. But he came back with his own word and defeated him with the word. Mais c'est par sa propre parole qu'il a répliqué et l'a vaincu par la parole. God, the Bible said here. Dieu, la Bible dit ici. In sundry times and in divers manners. Identified himself to his prophets. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, a fait connaître son identité à ses prophètes. He spoke to the fathers through the prophets. Il a parlé à nos pères à travers les prophètes. Now, showing his characteristic of identifying himself, see, to man. Alors, montrant sa caractéristique, la façon dont il fait connaître son identité, voyez-vous, à l'homme. He spoke to the prophets. Il a parlé aux prophètes. The prophets, their visions vindicated was God's characteristic made known.
by the prophet's vision. Les prophètes, leur vision confirmée, c'était la caractéristique de Dieu qui se faisait connaître par la vision du prophète. Now, no man can explain a vision. There's no way of doing it. Or, aucun homme ne peut expliquer une vision. Il n'y a pas moyen de faire ça. It's supernatural. C'est surnaturel. It's something that you see what has been, what is and what will be. C'est quelque chose par lequel vous voyez ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. And that was God's way of sending a man that spoke those things. Et c'était ça le moyen de Dieu d'envoyer un homme qui prononçait ces choses. And showed things that would come to pass, not just tonight, every night, every time. Et qui montrait des choses qui allaient s'accomplir, pas seulement ce soir, chaque fois. Everything he said had to be perfectly with the Lord. Tout ce qu'il disait devait être en harmonie parfaite avec le Seigneur. Had to be the word of the Lord. Ce devait être la parole du Seigneur. By this, gifts and callings are without repentance. C'est ainsi que les dons et les appels sont sans repentance. You can't make your eyes brown when they're blue. Vous ne pouvez pas rendre vos yeux bruns alors qu'ils sont bleus. You can't, make yourself 6 foot when you're only 4 foot. Vous ne pouvez pas vous faire mesurer 6 pieds alors que vous ne mesurez que 4 pieds. Who taking thought can add one cubit to his stature? Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? We are both what we are by the grace of God. Nous sommes chacun ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Now, gifts and callings without repentance. Donc, les dons et les appels sans repentance. These prophets were born prophets. Ces prophètes étaient prophètes de naissance. Moses was born a fair child. Moïse, à sa naissance, il était beau. Jesus was the Son of God from the before the foundation of the world. Jésus était le Fils de Dieu dès avant la fondation du monde. The attribute of God. L'attribut de Dieu. Jeremiah 12, 712 years, I believe it was, before he was born. Jérémie 12, 712 ans, je crois, avant sa naissance. He was the voice of one. Il était la voix de celui. No, I beg your pardon. Non, excusez-moi. He was ordained a prophet to the nations. Il avait été établi prophète pour les nations. And was sanctified in his mother's womb and ordained a prophet to the nations. Et avait été sanctifié dans le sein de sa mère et établi prophète pour la nation. John the Baptist, what I'm thinking of. Jean-Baptiste, c'est lui que j'avais en tête. Been 712 years before he was born. C'était 712 ans avant sa naissance. He was the voice of one crying in the wilderness. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. See, it's God. Placing. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne une position. He sends a man, il envoie un homme takes the word of that age, qui porte la parole de l'âge en question. But now before you can believe that word of that age, mais bon, avant que vous puissiez croire la parole de cet âge-là, he identifies himself in his characteristic. Il s'identifie par sa caractéristique. See, by knowledge, by vision. Voyez-vous, par la connaissance, par la vision. He told things that would happen, and it happens. Il avait annoncé que certaines choses arriveraient, et elles arrivent. And God said, et Dieu a dit, when that happens, then you believe he has the interpretation of the word, because the word of the Lord comes to this man. Quand la chose arrive, alors croyez qu'il a l'interprétation de la parole, parce que la parole du Seigneur vient à cet homme. And his credentials, he's identified by being a seer in the Old Testament. Et ses références, c'est qu'il est identifié comme voyant selon l'Ancien Testament. Just as plain as it can be. Ça ne peut pas être plus clair. His characteristics is identified, made known, his characters. Ses caractéristiques s'identifient, se font connaître, les traits qui le caractérisent. Now, that's how God dealt in sundry times, the Bible says. Alors, c'est comme ça que Dieu a traité à plusieurs reprises, la Bible dit. In divers manners, he spoke to the Father through the prophets. De plusieurs manières, il a parlé à nos pères à travers les prophètes. But in this last days, through Jesus Christ, his Son, he speaks. Mais en ces derniers jours, c'est à travers Jésus-Christ, son Fils, qu'il parle. Now, Jesus said in John 10:37. Or, Jésus a dit dans Jean 10:37. If I do not the works of my Father, then don't believe me. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père,
alors ne me croyez pas. See, they said, you're a man and making yourself God. Voyez-vous, il disait, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. He said, if I do not the works of my father, then believe me not. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon père, alors ne me croyez pas. Now he said, John was a bright and shining light. Or il a dit, Jean était une lampe qui brûle et qui luit. You like to walk in his light for a season. Vous, bien, vous avez bien voulu marcher dans sa lumière pour un temps. Now John said, I must go out. He must increase. Or Jean a dit, il faut que je m'éteigne. Il faut qu'il croisse. He was the light of the world. Il était la lumière du monde. Because he was the vindicated, identified word made flesh. Parce qu'il était la parole faite chair, confirmée, identifiée. See, he was God with us. Voyez-vous, il était Dieu avec nous. The prophets were God with them. Jesus said so. Les prophètes, c'était Dieu avec eux. Jésus l'a dit. He said, if you call them who the word of God come to, God. Il a dit, si vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue. How can you condemn me when I say I'm the Son of God? Comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? So where the word that's been spoken by God is a vindicated. Voyez, donc là où la parole qui était prononcée par Dieu est confirmée. Then that is God making himself known by his characteristic. Fulfilling his word. Alors c'est Dieu qui se fait connaître par sa caractéristique, qui accomplit sa parole. It needs no interpretation. It's already interpreted. Elle n'a pas besoin d'interprétation. Elle est déjà interprétée. Itself proves what it is. C'est elle-même qui démontre ce qu'il en est. Just as he said, let there be light, and there was light. Tout comme il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. You don't have to say, well, what did that mean? Vous n'avez pas à dire, eh bien, qu'est-ce que ça voulait dire? I mean, just, there it is, that proves it. It's already come to pass. Ça veut tout simplement dire, elle est là, c'est la preuve, c'est déjà accompli. Now Jesus said that if I do not the works of my Father. Or Jésus a dit que si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Or other words, if I don't have the characteristic of my Father, don't believe it. Ou autrement dit, si je n'ai pas la caractéristique de mon Père, n'y croyez pas. They identify my character, who I am. Elles identifient mon caractère, qui je suis. If you can't believe me, then believe the identification that God has given. Si vous ne pouvez pas me croire, alors croyez l'identification que Dieu a donnée. If my character doesn't identify my position, si mon caractère n'identifie pas ma position, then don't believe my claims. Alors ne croyez pas mes affirmations. See, you get it now? How many understands it? Raise your hand. See? Voyez, vous saisissez ce soir? Combien comprennent? Levez la main. Voyez? If my character does not identify who I claim to be, said Jesus. Si mon caractère n'identifie pas celui que j'affirme être, a dit Jésus. Then you believe though, if you can't believe me. Alors croyez-les. Si vous ne pouvez pas me croire, well, just believe the identification of the character that I am. Eh bien, croyez simplement l'identification du caractère de ce que je suis. John 14, 12. Jean 14, 12. He that believeth, Jesus said, on me. Celui qui croit, Jésus a dit, en moi. The works that I do shall he do also. Fera aussi les œuvres que je fais. Now look, he that believeth on me, a true believer. Maintenant regardez, celui qui croit en moi, un croyant véritable, the works that I do shall he do also. Fera aussi les œuvres que je fais. Notice, in other words like this. Remarquez, autrement dit comme ceci. He that believeth on me, celui qui croit en moi, shall be identified by my characteristic, the works. Sera identifié par ma caractéristique, les œuvres. That's what he did. Donc, c'est ça qu'il faisait. He said, if I don't do the Father's works, then don't believe me. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres du Père, alors ne me croyez pas. And the Father spoke to the prophets, and that was their characteristic identification. Et le Père a parlé aux prophètes. Et c'était ça leur caractéristique,
ce qui les identifiait. So was it with Jesus. Même chose pour Jésus. They promised it to him that believeth. Et c'est ce qui a été promis à celui qui croit. My characteristics shall do in him just as it did in me. Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce qu'elles ont produit en moi. And if I do not the works of my Father, then don't believe me. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. But if I do the works and you can't believe me. Mais si je fais les œuvres et que vous ne pouvez pas me croire, then believe the works. Alors croyez aux œuvres. Because it's spoken of, it must be. Puisqu'elles ont été annoncées, elles doivent se produire. He said, search the scriptures. Il a dit, sondez les Écritures. In them you think you have eternal life. En effet, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. And they are they that tell you who I am. Et ce sont elles qui vous déclarent qui je suis. But Jesus, see, God manifested, showing himself. Ça, c'était Jésus, voyez-vous, Dieu manifesté, qui montrait qui il était. They testify who I am. Elles rendent témoignage de qui je suis. That makes Hebrews 1:1 now. Voilà, Hébreux 1:1 maintenant. God in sundry times spake by the prophets. Dieu, à plusieurs reprises, a parlé par les prophètes. Clearly identifying the characteristic now of the resurrection of his son. Identifie clairement la caractéristique actuelle de la résurrection de son fils. God spoke by the prophets then. À l'époque, Dieu a parlé par les prophètes. Through his son now. Maintenant, à travers son fils. Unchangeable God, the same characteristic. Le Dieu immuable, la même caractéristique. Works that I do shall you also. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. God known by his identified characteristic. Dieu qui se fait connaître par sa caractéristique identifiée. That's how you know. Voilà comment vous savez. You say, well, I tell you this, we sing this, we do this, and we do. Vous dites, eh bien, je vais vous dire ceci. Nous chantons ceci, nous faisons ceci et nous faisons. That's not what I'm talking about. Ce n'est pas de ça que je parle. I'm talking about the word made manifest and identifying the Bible. Je parle de la parole manifestée et qui identifie les ainsi. The characteristics of the promised word for the age. Les caractéristiques de la parole promise pour l'âge. Them Pharisees know that Bible as good as anybody. Les pharisiens, ils connaissaient la Bible aussi bien que n'importe qui. Better than any of us clergymen know ours today. Mieux qu'aucun de nous, les membres du clergé, nous la connaissons aujourd'hui. They had to live by. Il fallait que leur vie s'y conforme. Their great-great-grandfather were priests. Leurs arrière-arrière-grands-pères, c'étaient des sacrificateurs. They studied it day and night. Ils l'étudiaient jour et nuit. And they failed to see that identified word. Et ils n'ont pas vu cette parole identifiée. Today, Luther said. Aujourd'hui, Luther dit. When you believe, you've got it. Quand vous croyez, vous l'avez. The Methodist said. Le méthodiste dit. When you shout, you got it. Quand vous criez, vous l'avez. The Pentecostal said. Le pentecôtiste dit. When you spoke in tongues, you had it. Quand vous avez parlé en langue, vous l'avez eu. We find all that wrong. Nous constatons que tout ça, c'est faux. Some of them said the fruit of the Spirit's got it. Certains disent, c'est par le fruit de l'Esprit, c'est ça. It is wrong. Et c'est faux. The only evidence is when the vindication. La seule preuve, c'est quand la confirmation. When God himself identifies himself in the promised word of the hour. There it is. Quand Dieu lui-même s'identifie dans la parole promise de l'heure. Voilà. Who had any more fruits of the Spirit than them kind old priests? Qui avait plus de fruits de l'Esprit que ces bons vieux sacrificateurs? Circumcised the children and blessed them and everything else. Qui circoncisait les enfants et les bénissait et tout le reste. Here this guy, Jesus was, come around, kicked over their sacrifice blocks, looked upon them with anger. Et voilà ce gars, Jésus qui arrive. Il a renversé les billots qui servaient à leur sacrifice. Les a regardés d'un regard furieux. Beat him, run him out, no identification of nothing. Leur a donné des coups de fouet, les a chassés, sans s'identifier aucunement. The scriptures is his identification. C'est l'écriture qui l'identifie. He had no fellowship card. Il n'avait pas de carte d'une association. He belonged to no organization. Il ne faisait partie d'aucune organisation. But God spoke of him. Mais Dieu avait parlé de lui. That was his identification. C'est ça qui l'identifiait. That's the genuine identification of God at any hour. Voilà l'authentique identification de Dieu à toute heure.
is his identification. C'est ça, son identification. That's what it is. C'est ça. The scriptures that's promised made identified by the characteristic of the promise, which is God, and God is the Word. Les Écritures qui ont été promises, identifiées par la caractéristique de la promesse, c'est-à-dire Dieu, et Dieu est la parole. And the characteristic of that promise being identified, that makes the believer. Et la caractéristique de cette promesse identifiée, c'est ce qui produit le croyant. Jesus said so, and that settles it. Amen. Jésus l'a dit, alors c'est réglé. Amen. Notice how we find out the characteristics identify him. Remarquez, alors nous voyons que les caractéristiques l'identifient. If he said if it doesn't do it, then don't believe me. Si, il a dit, si elles ne le font pas, alors ne me croyez pas. Now, Jesus spoke that it would identify him. Alors, Jésus a dit qu'elle l'identifierait. And now remember that in these days, these last days, said Hebrews 1:1. Et maintenant, souvenez-vous qu'en ces jours, ces derniers jours, nous dit Hébreux 1:1. God in sundry times and diverse manners spoke to the fathers through the prophets. Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères à travers les prophètes. In this last day has spoke to us through his son Jesus Christ. See? En ce dernier jour, il nous a parlé à travers son fils Jésus-Christ. Voyez? Identification of God himself manifested in the same manner. L'identification de Dieu lui-même manifestée de la même manière. As he did in foretime, using his same characteristic. Amen. Qu'il l'avait fait dans le passé par sa même caractéristique. Amen. Notice, Hebrews 13:8 says. Remarquez, Hébreux 13:8 dit. He's the same yesterday, sundry times, today, and forever the same. Il est le même hier, à plusieurs reprises, aujourd'hui, est éternellement le même. His same manner, his same way, his same characteristic, everything is the same. Sa même manière de faire, son même moyen, sa même caractéristique, tout est le même. God, the unchangeable God, can no more get away from that characteristic than he can get away from his commandment. Dieu, le Dieu immuable, ne peut pas plus s'écarter de cette caractéristique qu'il ne peut s'écarter de son commandement. That's what he is. He is the Word. C'est ce qu'il est. Il est la parole. He's the Word for the hour. Il est la parole de l'heure. He's the Word when he created the world. That was the Word. Il est la parole. Quand il a créé le monde, c'était la parole. When he created man, that was the Word, his attributes. Quand il a créé l'homme, c'était la parole, ses attributes. When he created Christ, that was God Emmanuel. Quand il a créé Christ, c'était Dieu Emmanuel. And when he made him a savior, that was his attributes. Et quand il a fait de lui un sauveur, c'était ses attributes. When he made him a healer, that was his attributes. Quand il a fait de lui un guérisseur, c'était ses attributes. See, it's the Word always being identified. Voyez, toujours c'est la parole qui est identifiée. The identified word by the characteristic of God. La parole identifiée par la caractéristique de Dieu. Notice the manner he never changes. Remarquez sa manière de faire. Toujours, il ne change jamais. Look at the three men that come to Abraham sitting in his tent door that day. Regardez les trois hommes qui sont venus à Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente ce jour-là. We'll look at him there for a few minutes. Nous allons le regarder là pendant quelques minutes. He'd come, he'd been called out of the land of Chaldeans and the city of Ur. Il était venu, il avait été appelé à sortir du pays de la Chaldée, des Chaldéens, de la vie dure. He'd been turned out of his city by the commandment of God. Il avait quitté sa ville sur l'ordre de Dieu. That he'd separate himself from all unbelief. Comme quoi il devait se séparer de toute incrédulité. That's the first characteristic of God. Voilà la première caractéristique de Dieu. Separate yourself from unbelief. Séparez-vous de l'incrédulité. When he calls a man. Quand il appelle un homme. And he gave him something that was absolutely, totally impossible to the natural mind to believe it. Et il lui a donné quelque chose qui était absolument, totalement impossible à croire pour la pensée naturelle. He said, Abraham, you're... Il a dit, Abraham, he was 75 years old and Sarah was 65. Il avait 75 ans et Sarah en avait 65. That was his half-sister. They'd lived together all these years with no children. C'était sa demi-sœur. Ils avaient vécu ensemble toutes ces années sans avoir eu d'enfant. He said, I'm going to give you a son by Sarah. Il a dit, je te donnerai un fils
par Sarah. And he will, by him I'll make you father of the many nations. Et il, c'est par lui que je ferai de toi un père d'un grand nombre de nations. Now, he believed it. Or, il l'a cru. Time passed by, no change in Sarah. Le temps a passé, aucun changement en Sarah. See, she was past the age, she was past the menopause, 65. Voyez, elle avait passé l'âge. Elle avait déjà eu sa ménopause à 65 ans. She had done, went past that time. Elle avait déjà passé ce temps-là. Abraham, 75, his body is good, he's dead. Abraham, à 75 ans, son corps était comme mort. Her womb is good, he's dead. Son sein, elle, était comme mort. But Abraham never staggered at the promise of God through unbelief. Mais Abraham n'a jamais douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. He kept believing because God said it. Il a continué à croire parce que Dieu l'avait dit. And was persuaded if God said it, his characteristics will produce what he said. Et il était convaincu, si Dieu l'a dit, ses caractéristiques produiront ce qu'il a dit. Now we're supposed to be the children of Abraham, the seed of Abraham. Or, nous sommes censés être les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Oh non, 25 years lapsed. Ça a continué et continué. 25 ans ont passé. No difference in Sarah, nothing, only she's older, stooped down, and he is also. Aucune différence en Sarah, rien, sinon qu'elle était plus âgée, voûtée, et lui aussi. But still Abraham believed it. Mais Abraham a continué à le croire quand même. One day, when God seen that his servant was determined to be an example for people of today. Et un jour, quand Dieu a vu que son serviteur était déterminé à être un exemple pour les gens d'aujourd'hui, and through him he's going to bless the nations. Et puisque par lui, il allait bénir les nations, one hot morning about 11 o'clock, three men come walking up to him. Par une chaude matinée, vers 11 heures, trois hommes sont venus à lui. They talked to him. Ils lui ont parlé. And he invited them in to sit down. Et les a invités à entrer s'asseoir. There was something about him that seemed different from man. Il y avait chez eux un je ne sais quoi. Il semblait différent des hommes. Spiritual things are understood by spiritual things. Les choses spirituelles se comprennent par les choses spirituelles. Notice that they come up and sit down. Remarquez. Alors ils sont venus et se sont assis. Abraham looked him over. Abraham les a bien regardés. He said, "My Lord, what must he do?" Il a dit, "Mon Seigneur, que devait-il faire?" Two of them went out and preached in Sodom. Deux d'entre eux sont descendus prêcher à Sodome. Which is a modern testimony today. Un témoignage contemporain d'aujourd'hui. There's your three classes of people. Vous avez là les trois catégories de gens. Sodom. And the church down in Sodom. Sodome et l'église qui est dans Sodome. Abraham, the elected, is not in Sodom. Abraham, l'élu, qui n'est pas dans Sodome. Two messengers are modern Billy Graham. And deux messagers, un Billy Graham contemporain est. Remember of all the messengers to the church. Souvenez-vous de tous les messagers à l'église. There's never been a man ever went out in that church nominal out there ending his name with H-A-M before. Il n'y a jamais eu un homme qui a œuvré dans l'église dénominationnelle là-bas dont le nom se termine par H-A-M auparavant. Been finished, Sankey, Knox, Calvin, so forth, Billy Sunday and everything else. Il y a eu Finney, Sankey, Knox, Calvin et ainsi de suite, Billy Sunday et tout le reste. But never G-R-A-H-A-M or any ending with H-A-M. Mais jamais G-R-A-H-A-M. Ou aucun qui se termine par H-A-M. Which means Father of Nations. Ce qui veut dire Père de Nations. There he went down there preaching. Il est descendu là-bas prêcher. Look at the hour. Regardez quelle heure il est. Here's the make-believers, unbelievers, and believers. Voici, on a les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. These three men came. Ces trois hommes sont venus. Two of them went down into the city. Deux d'entre eux sont descendus dans la ville. Un Billy Graham et un Oral Roberts contemporain, là-bas parmi les gens, ils prêchaient. The setting, Jesus referred to it. Ce cadre, Jésus en a parlé. Remarquez, l'élu qui venait, qui était assis à l'extérieur, ici, Abraham et son groupe. And when this man that stayed with Abraham, et quand cet homme qui est resté avec Abraham, watch him, he displayed the characteristic of God. Observez-le, il a manifesté la caractéristique de Dieu. For he said, "Where is Sarah?" En effet, il a dit, où est Sarah?
Her name was Sarah day before, now it's Sarah. S-A-R-A-H. Son nom la veille, c'était Sarai. Maintenant, c'est Sarah. S-A-R-A. Said Abraham, not Abram. Abraham. Where is thy wife Sarah? Il a dit Abraham, pas Abram. Abraham, où est ta femme Sarah? Said she's in the tent behind you. Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Said I am going to visit you. Il a dit, je vais te visiter. Then Abraham listened to that speech. Alors Abraham a écouté ses propos. I'm going to visit you according to the time of life. Je vais te visiter à la période de la vie. And Sarah laughed. Et Sarah a ri. As it was up her sleeve to herself, and said, comme on dit, sous cap, en elle-même. Elle disait, me old and my Lord old, that we shall have pleasure again like young men and women. Moi qui suis vieille, mon Seigneur qui est vieux, nous aurions encore du plaisir comme les jeunes hommes et les jeunes femmes. As far as human relationship perhaps has passed many years. Pour ce qui est des relations intimes, peut-être, c'est du passé, depuis de nombreuses années. Me, she laughed. Moi, elle a ri. And the man looking at Abraham, et l'homme, en regardant Abraham, Sarah in the tent behind him, said, alors que Sarah était dans la tente derrière lui, il a dit, why did Sarah laugh, saying these, how can these things be? Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant ces choses? Comment ces choses peuvent-elles se faire? He identified himself. Il s'est identifié. And Abraham called him Elohim. Et Abraham l'a appelé Elohim. Now, any of you Bible readers know that? Maintenant, tous ceux d'entre vous qui lisent la Bible, vous savez ça. Elohim, God, the all-sufficient one. See? Elohim, Dieu, celui qui est entièrement suffisant. Voyez-vous? Identified in a human body. Identifié dans un corps humain. That was eating the meat of a calf, drinking the milk from the cow. Alors qu'il a mangé de la viande de veau, qu'il a bu du lait de vache. And eaten bread and butter. Et mangé du pain et du beurre. Elohim identified the characteristics of God. Elohim a identifié les caractéristiques de Dieu. And Abraham called him God. Et Abraham l'a appelé Dieu. What? He was identified. Elohim. Qu'est-ce? Il était identifié. Elohim. Jesus said in Luke's 17th chapter, Jésus a dit dans Luc chapitre 17, when in the last days, que quand dans les derniers jours, God in sundry times, speaking by the prophets, Dieu à plusieurs reprises a parlé par les prophètes. In the last days by his son. Dans les derniers jours par son fils. Now watch. He said, in the time when the Son of Man is being revealed. Maintenant, regardez bien. Il a dit, au temps où le Fils de l'homme sera révélé. Watch. Revealed. Made known. Regardez bien. Révélé. Fait connaître. In the last days, before the end time. En ces derniers jours, avant le temps de la fin. When the Son of Man is being revealed, au moment où le Fils de l'homme serait révélé, this setting of Sodom will return again. On se retrouverait dans le même cadre qu'à Sodome. As it was in the days of Sodom. Ce qui arriva au jour de Sodome. So shall it be at the coming of the Son of Man. Arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. When he is being revealed. Au moment où il se révélera. Made known. To the church, to the elect. Se fera connaître à l'église, aux élus. Not to Sodom or the Sodomites or the ones down in Sodom. Pas à Sodome, aux Sodomites ou à ceux qui étaient dans Sodome. To the elected. Aux élus. Abraham was the elected. Abraham était l'élu. And the royal seed of Abraham is the believers through Christ Jesus, the Word. Et la postérité royale d'Abraham, ce sont les croyants par Jésus-Christ, la parole. And the elected. Ce sont les élus. And when the Son of Man is being revealed, that setting would be again. Et au moment où le Fils de l'homme se révélerait, on se retrouverait dans le même cadre. Look at the world today. Regardez le monde aujourd'hui. If it ain't a common Sodom and Gomorrah, I've ever seen one. Si ce n'est pas tout simplement Sodome et Gomorre, je n'en ai jamais vu. Sodom and Gomorrah. Sodome et Gomorre. Look at the church like Lot. Regardez l'église semblable à Lot. Sitting there and grieving his righteous soul as he seen the sins of Sodom. Qui était assis là et dont l'âme juste était attristée de voir les péchés de Sodome. A many minister sitting in his
de nombreux ministres assis dans leur. A fine man, sitting in his study, getting up his texts and so forth. Un brave homme assis dans son bureau, en train de préparer son sujet et tout. Look out on the street and seeing women with shorts on and immorality and things. Il n'a qu'à regarder dans la rue et il y voit les femmes qui portent des shorts et l'immoralité et tout. And things going on like that, he can't say nothing about it. Et les choses qui continuent comme ça, il ne peut pas dire un mot là-dessus. His organization would put him out. Son organisation le mettrait à la porte. Lot didn't have the audacity to stand up for that which was right. Lot n'avait pas l'audace de défendre ce qui était juste. So is a modern Sodom and Gomorrah today. Et c'est pareil pour les Sodome et Gomorre contemporains d'aujourd'hui. But there are some of those who are outside of Sodom. Mais il y en a quelques-uns qui sont en dehors de Sodome. That's born out there, not by the will of man. Qui sont nés là-bas, non par la volonté des hommes. By the will of God and the seed of God. Mais par la volonté de Dieu et la semence de Dieu. What's the identification there? Observez l'identification qu'il y a eu là. Not just the preaching, but the sign identified the word of God made flesh in a man. Ce n'est pas seulement la prédication, mais le signe qui a identifié la parole de Dieu faite chair dans un homme. The setting returns back just as it was. On se retrouve dans le même cadre, exactement tel qu'à l'époque. And it's exactly that day. Et nous sommes précisément en ce jour-là. Everything is perfect. Everything's set right in line. Tout est parfait. Tout est exactement conforme. Wish we had time to continue on it a few minutes, but we haven't. So we'll hurry. J'aimerais avoir le temps de continuer quelques minutes là-dessus, mais nous ne l'avons pas. Alors nous allons nous dépêcher. The setting is to be replaced again in the last days. On doit se retrouver dans le même cadre dans les derniers jours. Now, Hebrews 10:1. Or, Hébreux 10:1. God in sundry times by the prophets identified himself. Dieu à plusieurs reprises par les prophètes, il s'est identifié. And in the last days identified himself through the Son. Et dans les derniers jours, il s'est identifié à travers le Fils. Making him Hebrews 13:8 the same yesterday, today and forever. Ce qui fait de lui Hébreux 13:8 le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notice God in sundry time spake to Moses. Remarquez, Dieu à plusieurs reprises a parlé à Moïse. And I remember. Et alors, et souvenez-vous. He identified himself by a light, a pillar of fire in a burning bush. Il s'est identifié par une lumière, une colonne de feu, dans un buisson ardent. That's how he did it in sundry times. C'est comme ça qu'il l'a fait, à plusieurs reprises. And he spake to Moses. Et il a parlé à Moïse. And that light, what did it do? Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? It produced the characteristic of God. It spoke the word. Amen. Elle a produit la caractéristique de Dieu. Elle a prononcé la parole. I heard the moans of my people down in Egypt. J'ai entendu les plaintes de mon peuple là-bas en Égypte. I have seen their groans and heard their cries, and I remember my word. J'ai vu leurs gémissements et j'ai entendu leurs cris et je me souviens de ma parole. I'm come down, a pillar of fire light, to go and to deliver the people. Je descendrai, une colonne de feu, une lumière, pour aller et délivrer le peuple. I'm sending you Moses. Je t'envoie, Moïse. What's the characteristics of God? Observez les caractéristiques de Dieu. Picked up a handful of dust and threw it into the air and it turned into fleas. Il a ramassé une poignée de poussière, il l'a lancée en l'air et elle s'est transformée en puce. The Creator. Le Créateur. Characteristic of God was in Moses. La caractéristique de Dieu était en Moïse. And Moses spoke in Deuteronomy 18:15 and said. Et Moïse a parlé dans Deutéronome 18:15. Il a dit. The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Now watch, that's the word again. Characteristic. Maintenant regardez bien, voilà encore la parole, la caractéristique. God speaking through Moses tell him that the Lord would raise up one like him. Dieu qui parlait à travers Moïse, leur disant que le Seigneur allait en susciter un comme lui. Now notice how Jesus' characteristics identified him to be this promised word. Maintenant remarquez comment les caractéristiques de Jésus ont identifié
qu'il était cette parole promise. When Moses said it would be, the character of Jesus identified. Alors que Moïse l'avait annoncé, le caractère de Jésus l'a identifié. Notice now. Remarquez maintenant. The Lord your God. L'Éternel ton Dieu. That's God, that's the word. Ça, c'est Dieu, c'est la parole. Shall raise up a prophet like unto me. Suscitera un prophète comme moi. Whoever won't believe that prophet be cut off from among the people. Quiconque ne croira pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. Now watch when Jesus come. Maintenant regardez bien quand Jésus est venu. Then what kind of a characteristic was he to have? Alors quel genre de caractéristique devait-il avoir? See? Notice now the promised word. Voyez-vous, remarquez maintenant la parole promise. He was promised to be a prophet like Moses. D'après la promesse, il devait être un prophète comme Moïse. Now they had all kinds of teachers, all kinds of rabbis. Or, ils avaient eu toutes sortes de docteurs, toutes sortes de rabbins. They hadn't had a prophet for 400 years since Malachi. Il y avait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de prophète depuis Malachie. And now, all at once, here comes a man on the scene. Et là, tout d'un coup, un homme arrive. Now there was a fisherman, two of them. Or, il y avait un pêcheur. Il y en avait deux. Sons of a man. Les fils d'un homme. And one of his name was Andrew. L'un d'eux s'appelait André. And the other's name was Simon. Et l'autre s'appelait Simon. They've been told by their father. Leur père leur avait dit. That how to watch in the days. There've been lots of false things raised up. Que ce qu'il faudrait surveiller à leur époque, il y avait eu beaucoup de faussetés qui avaient surgi. The old man. I read a little book one time where it might have been fiction, I don't know. Le vieil homme, j'ai lu un petit livre une fois qui racontait, c'était peut-être un livre de fiction, je ne sais pas. That he said, sons, now, just before the coming Messiah we're all looking for. Qu'il avait dit, mes fils, juste avant le Messie qui doit venir, là, celui que nous attendons tous. There will be a time where there'll be all kinds of things happening. Il y aura un temps où toutes sortes de choses arriveront. But the way you'll know this Messiah, mais ce à quoi vous reconnaîtrez ce Messie, he will be according to the scripture. C'est qu'il correspondra à l'Écriture. He will be a prophet. Il sera prophète. Because the word of God said he is a prophet. Parce que la parole de Dieu dit de lui qu'il est prophète. Andrew heard John. André avait écouté parler Jean. Well, the only thing John was doing just prophesying. Eh bien, tout ce que Jean faisait, il prophétisait. You know, Jesus said, you did walk in John's light. Vous savez, Jésus a dit, vous avez bien marché dans la lumière de Jean. But I have greater light than John. Mais j'ai une lumière plus grande que celle de Jean. I have a greater identification than John. J'ai une identification plus grande que celle de Jean. For the works the Father gave me to do, they testify of me. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, elles rendent témoignage de moi. John has preached. Jean a simplement prêché. He just forerun. Il a simplement été le précurseur. He didn't do any miracles or any characteristics of God for the promise. Il n'a pas produit de miracles, ni aucune des caractéristiques de Dieu quant à la promesse. But here comes Jesus with that characteristic. Mais voici Jésus qui arrive avec cette caractéristique-là. Simon went out to hear him one day. Simon est allé l'écouter un jour. And as soon as Simon maybe went out with Andrew. Et aussitôt que peut-être que Simon y est allé avec André. Andrew had been attending all along. André y assistait depuis le début. But Simon, when he come into the presence. Mais Simon, quand il est entré dans la présence. Now listen to this closing. Maintenant écoutez, je termine avec ceci. When he come into the presence of Jesus. Quand il est entré dans la présence de Jésus. Jesus looked at him. Jésus l'a regardé. He said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas." Il a dit, "Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas." See, the characteristic of what was promised was identified in him. Voyez-vous, la caractéristique de ce qui avait été promis s'identifiait en lui. That man could not sign his name. Cet homme ne savait pas signer son nom. The Bible said he was both ignorant and unlearned. La Bible dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. But it was such an identification. Mais l'identification était telle. That he quickly renounced all of his unbelief. Qu'il a vite abandonné toute son incrédulité. And he said, that's the Messiah that we've looked for. Et il a dit, c'est le Messie que nous attendions. All right, he believed it. Bon, il y a cru.
There was one standing there by the name of Philip. Il y en avait un qui se tenait là du nom de Philippe. Who ran around the city of the hill, the country, about 15 miles. Il a couru de l'autre côté de la ville, de la colline, des campagnes, environ 15 miles plus loin. And got a friend come back the next day with him by the name of Nathaniel. Il est allé chercher un ami et il est revenu le lendemain avec celui-ci. Il s'appelait Nathanaël. He found him under a tree praying. Il l'a trouvé sous un arbre en train de prier. He said, "Come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Il a dit, "Viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph." He said, "No." Il a dit, "Allons." Could there be any good thing come out of Nazareth? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oh, that bunch of low-class people down there. De cette bande de gens sans distinction là-bas? He said, "Come and see." Il a dit, "Viens voir." That's the best remark a man can make. Voilà la meilleure observation qu'un homme peut faire. Don't stay home and criticize. Ne restez pas chez vous à critiquer. Come and find out. Search the scripture. Venez voir ce qu'il en est. Sondez les Écritures. Come see. Venez voir. On the road around, they walked around. Chemin faisant, en marchant. Talking about what had been taking place. Ils ont parlé des choses qui s'étaient passées. I told him about Simon being made known by him, his father, and so forth. Il lui a raconté ce qui était arrivé, qu'il avait su qu'il était Simon, son père, et tout. Then when he come up into the line. Alors, quand il est entré dans la ligne. Might have been a prayer line, might have been out in the audience, I don't know. Peut-être que c'était une ligne de prière, peut-être que c'était dans l'auditoire, je ne sais pas. But where have he come and Jesus laid eyes on him the first time? Mais où qu'il ait été, quand Jésus a posé les yeux sur lui la première fois. He said, "Behold an Israelite in whom there's no guile." Il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. He said, "Rabbi, when did you ever know me?" Il a dit, Rabbi, quand m'as-tu déjà connu? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. That was identification of the characteristics of the anointed God. C'était l'identification des caractéristiques du Dieu oint. He said, "Rabbi, you are the son of God." Il a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. What was it? Qu'était-ce? His characteristics identified him. Ses caractéristiques l'identifiaient. He knew by the scripture that that was that anointed man. Il savait par l'écriture que c'était là cet homme oint. God anointed in flesh. Dieu oint dans la chair. God was in Christ, reconciling the world to himself. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. He said, "Rabbi, you are the son of God. You're the king of Israel." Il a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jesus said, "Because I said that, you believe me, you'll see greater than this." Jésus a dit, parce que j'ai dit cela, tu crois en moi. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Now there was those who stood by didn't believe that. Or, certains de ceux qui se tenaient là n'y ont pas cru. They said, "This man's Beelzebub, he's a fortune teller." Ils ont dit, cet homme est Belzébul. C'est un diseur de bonne aventure. Jesus said, "I forgive you for that." Jésus a dit, je vous pardonne cela. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, mais quand le Saint-Esprit sera venu pour faire la même chose, one word against it will never be forgiven in this world or the world to come. Un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. See, the atonement wasn't made yet. Voyez-vous, l'expiation n'avait pas encore été faite. See, there couldn't be, you can't be cast into hell before you come to judgment. Voyez-vous, il ne pouvait pas y avoir, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas être jeté en enfer avant d'avoir passé en jugement. This nation wouldn't do that. Cette nation ne le ferait pas. God won't either. Dieu ne le fera pas non plus. See, you're in a place waiting in chains of prison until you receive judgment. Voyez-vous, vous êtes dans un lieu à attendre, enchaîné dans une prison, jusqu'à ce que vous soyez jugé. Et vous voyez, il ne pouvait pas les renvoyer parce que l'expiation n'avait pas encore été faite. But after his death, burial, and the token came forth from the blood, the Holy Ghost. Mais après sa mort, son ensevelissement, et que le signe a émané du sang, le Saint-Esprit. Then to speak against that, it's an unpardonable sin. À ce moment-là, de parler contre cela,
C'est un péché impardonnable. Just one word is all you have to say against it. Un seul mot, c'est tout ce que vous avez à dire contre cela. And there's never forgiveness nowhere. Et alors, il n'y a plus jamais de pardon nulle part. One word against it, see? Un seul mot contre cela, voyez-vous? What a great thing it is. C'est une chose très sérieuse. Now, so then we find out again. Maintenant donc, nous voyons de nouveau. This identified him as the anointed Messiah. C'est ce qu'il a identifié comme le Messie oint. God in Christ, the atonement for the last days. Dieu en Christ, l'expiation pour les derniers jours. Christ making the atonement for the last days. Christ qui a fait l'expiation pour les derniers jours. Now, to Nathaniel, he believed it and recognized it. Or, Nathanaël, lui, il y a cru et il l'a reconnu. There's a little woman come out to the well one time. Une petite femme s'est présentée au puits un jour. Up at Sychar, a city of Samaria. À Sychar, une ville de Samarie. Jesus had need to go by there. Il fallait que Jésus passe par là. When he's on his road down, right down the hill from Jerusalem, right into Jericho. Quand il était en route, en bas de la colline, près de Jérusalem, pour aller à Jéricho. But he went around over by Samaria. Mais il est passé par la Samarie. He said he had need to go. The Father led him over there. Il a dit qu'il fallait qu'il passe par là. Le Père l'avait conduit là-bas. When he goes over there, une fois arrivé là, he sent the disciples away and sat down. Il a renvoyé les disciples et il s'est assis. Wondering, I guess, what it was. À se demander, j'imagine, ce qu'il en était. I remember Saint John 5:19, Jesus said, maintenant, souvenez-vous, Jean 5:19, Jésus a dit, verily I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. I remember he never did one miracle, not when he heard it, while he seen it. Maintenant, souvenez-vous, il n'a jamais fait un seul miracle, si ce n'est, non pas quand il l'entendait, mais pendant qu'il le voyait. The Son does nothing until he sees the Father doing it first. Le Fils ne fait rien avant de l'avoir vu faire au Père, premièrement. See, that showed what he was, that prophet, God prophet. Voyez-vous, cela démontrait ce qu'il était, ce prophète Dieu. More than a prophet, he was God. Plus qu'un prophète, il était Dieu. All that the prophets was in him plus. Tout ce que les prophètes avaient été se trouvait en lui, et plus. The prophet just had a portion of the word. He had all the word. Amen. Les prophètes avaient seulement eu une portion de la parole. Lui, il avait toute la parole. He was the word in his fullness. Il était la parole dans sa plénitude. But notice God in sundry times spoke in divers manners through little portions. Mais remarquez, Dieu à plusieurs reprises a parlé de plusieurs manières, par des petites portions. In this last day, the fullness of the word has come. In his Son, Christ Jesus. En ce dernier jour, la plénitude de la parole est venue, dans son Fils Jésus-Christ. God made flesh among us. Dieu fait chair parmi nous. This little woman, ill-famed, we call her sometimes a prostitute. Cette petite femme de mauvaise vie, parfois nous disons d'elle que c'était une prostituée. Maybe the child been turned out on the street. Peut-être qu'enfant, elle avait été jetée à la rue. Sometimes like now, it ain't altogether juvenile delinquents, it's parent delinquents. Parfois, c'est comme maintenant. En fait, ce n'est pas tant de la délinquance juvénile, c'est de la délinquance parentale. Let the little lady get out and act like that. De laisser la demoiselle sortir et se conduire comme ça. Maybe a beautiful little woman. C'était peut-être une ravissante jeune femme. She walked up there to get a bucket of water about 11 o'clock. Elle s'est présentée là pour remplir son seau d'eau vers 11 heures. I remember, if you've ever in the Orient, they haven't changed one bit. It's still the same customs. Maintenant, souvenez-vous, si vous êtes déjà allé en Orient, ils n'ont pas changé du tout. Ils ont toujours les mêmes coutumes. The women go out, the virgins go early to the well and get their water. Les femmes y vont, les vierges vont au puits de bonne heure pour chercher leur eau. A prostitute or ill-famed cannot go with them. Une prostituée, une femme de mauvaise vie, ne peut pas y aller avec elle. They won't mix together. Elle ne se côtoie pas. She had to come out after the rest of them got through. Elle était obligée d'y aller après que toutes les autres avaient fini. She come maybe weary. Elle y est allée. Peut-être qu'elle était fatiguée. Maybe she had that new boyfriend. Peut-être qu'elle s'était fait un nouveau petit ami. Her husband that night. Son mari de cette nuit-là. She came out, had this water pot, she set it down. Elle est arrivée avec sa cruche, elle l'a mise là. Put the window down to let it down. Elle l'a installée pour la faire descendre avec le treuil. She heard a man say, bring me a drink. Elle a entendu un homme dire, apporte-moi à boire.
She looked over and she seen a middle-aged man standing there, kind of gray in his beard. Elle a jeté un coup d'œil et elle a vu un homme d'âge moyen qui se tenait là, la barbe un peu grisonnante. He's only about 30 years old. Il avait seulement une trentaine d'années. But the Bible said he looked 50. Mais la Bible dit qu'il avait l'air d'en avoir 50. Thou art a man not over 50 years old, say you've seen Abraham. Tu n'as pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. He said, before Abraham was, I am. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. See, they didn't understand it. Voyez-vous, ils n'ont pas compris cela. He was shaking them parasites off of him. Il se débarrassait des parasites. Today we have to beg and plead and pat and beg and persuade and promise Christians to come to church. Aujourd'hui, il faut supplier et implorer et dorloter et supplier et persuader et faire des promesses aux chrétiens pour qu'ils viennent à l'église. If they come to church, we'll do so and so. S'ils viennent à l'église, nous ferons telle et telle chose. Jesus, when he was on earth, he had too many with him. Jésus, quand il était sur terre, il avait trop de gens avec lui. He looked around and seen the congregation, he wanted to get rid of them. Il a regardé autour de lui et il a vu l'assemblée. Il voulait se débarrasser d'eux. He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Could you imagine a doctor sitting out there? Pouvez-vous vous imaginer un médecin qui aurait été assis là? Why, said, this man wants us to be a human vampire. Mais il aurait dit, cet homme veut faire de nous des vampires humains. Drink his blood? Nonsense. Boire son sang? Ridicule. All you people walk away and leave that crazy man alone. Éloignez-vous tous, laissez cet homme, il est fou. They walked away. Ils se sont éloignés. He never explained it. He didn't have to explain it. Il ne l'a jamais expliqué. Il n'avait pas besoin de l'expliquer. He shakes your face sometimes to see what you do, and he's doing the same thing in this day. Parfois, il secoue votre foi pour voir ce que vous allez faire. Et il fait la même chose en ce jour-ci. Yes, let it seem spooky to you a little bit. Oui, de laisser tout ça vous paraître un peu fantomatique. To see where you stand, where you really believe. Pour voir votre position, voir si vous croyez vraiment. Remember, them disciples foreordained by God never moved. Rappelez-vous, ces disciples, prédestinés par Dieu, ils n'ont pas bronché. They couldn't explain it either, but they didn't want to move. Eux non plus, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Mais il ne voulait pas broncher. Then he comes again, he said, all that congregation walked away, thousands. Alors il est revenu à la charge. Il a dit, toute l'assemblée s'était éloignée, des milliers. He said to the 70 sitting there. Il a dit aux 70 qui étaient assis là. His ministers, he'd ordained to go out and preach before him. Ses ministres qu'il avait ordonnés pour qu'ils aillent devant lui prêcher. He said, I'll give them a shake to see where they're at. Il a dit, je vais les secouer pour voir où ils en sont. So he said, wait, what do you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he come? Alors il a dit, eh bien, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? A Son of Man ascending into heaven? Le Fils de l'homme monter au ciel? We fish with him. We lay on the river banks with him. Nous pêchons avec lui. Nous nous étendons sur le rivage avec lui. We eat with him. We seen the manger he was born in. Nous mangeons avec lui. Nous avons vu la crèche dans laquelle il est né. We know his mother, his brothers. Nous connaissons sa mère, ses frères. And the Son of Man ascending up from where he come from Nazareth. Et ce Fils de l'homme monterait là d'où il est venu. Il est venu de Nazareth. This is a hard saying. They walked away too. Cette parole est dure. Eux aussi, ils se sont éloignés. They said, we can't see this, you see. Ils ont dit, nous ne pouvons pas comprendre cela. Vous voyez? What happened? Never moved them disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fait broncher les disciples. They couldn't explain it. Eux ne pouvaient pas l'expliquer. All of them walked away. He never explained it. He didn't have to. Ils se sont tous éloignés. Il ne l'a jamais expliqué. Il n'était pas obligé de l'expliquer. Today we got hotbed plants called Christians. Aujourd'hui, on a des plantes de serre chaude, ce qu'on appelle des chrétiens. Somebody have to spray and baby and humor. Quelqu'un qu'on est obligé de vaporiser, de cajoler, de ménager. Will you give me fellowship? Will you cooperate? Will you do this? Et voudriez-vous m'accorder votre communion? Voudriez-vous collaborer? Voudriez-vous faire ceci? Oh, you bunch of hotbed plants! Oh, bande de plantes de serre chaude! Yeah. We need some genuine Christianity, born of the Spirit of God. Nous avons besoin d'un christianisme authentique, né de l'Esprit de Dieu. Et ça, ça ne demande aucune collaboration, ni rien d'autre. Ils ne veulent rien du tout.
Jésus s'est tourné vers les disciples, il les a regardés. Il a dit, « Allez-vous aussi vous en aller ?»« You want to go also ?» Voulez-vous aussi vous en aller ?» He said, I've chose 12 of you, one of you is a devil. Il a dit, « Je vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Why don't you go also? Pourquoi ne vous en allez-vous pas aussi ? Then Peter said those memorial words. C'est là que Pierre a prononcé ces paroles mémorables. Lord, where could we go? Seigneur, où irions-nous ? We are persuaded. Nous sommes convaincus. We know that you are the identified fountain of life. Nous savons que tu es la source de la vie, identifiée. You have the word and it only. Tu as la parole et elle seule. We are persuaded. Nous sommes convaincus. This little woman standing there said, "Bring me a drink." Cette petite femme qui se tenait là, il a dit, "Apporte-moi à boire." She said, "It's not customary. We got segregation." Elle a dit, "Ce n'est pas la coutume. Il y a de la ségrégation entre nous." We don't have no such a thing here. On ne permet pas ce genre de choses ici. Let her know right quick. That there's no difference between the Jew or whatever it was. Il lui a tout de suite fait savoir qu'il n'existait aucune différence, que ce soit avec les Juifs ou quoi encore. He was God. Il était Dieu. He said, "Go get your husband and come here." Il a dit, "Va chercher ton mari et viens ici." She said, "I don't have a husband." Elle a dit, "Je n'ai pas de mari." He said, "You told the truth." Il a dit, "Tu as dit la vérité." You've had five, and one you're living with now is not yours. Tu en as eu cinq. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Watch that one. Maintenant, regardez bien cette femme. Something happened. Il s'est passé quelque chose. That little predestinated seed down in her heart. Cette petite semence prédestinée, là au fond de son cœur. When he said that to those Pharisees, quand il a dit ça à ces pharisiens, look at them, they just blacked out what they professed. Regardez-les. Ils ont complètement noirci ce qu'ils professaient. They professed to be Christians. They professed to be followers. They professed to love him. Ils professaient le christianisme. Ils professaient être des disciples. Ils professaient qu'ils l'aimaient. But when the truth came, it blacked them out. Mais quand la vérité est venue, elle les a plongés dans les ténèbres. But when this came, it broke the light. Mais quand ceci est venu, elle a donné la vie. It took the blackness out and made it all white. Elle a retiré les ténèbres et tout a été blanchi. Said, "Where?" She said, "Sir, I perceive that you are a prophet." Il a dit, "Ouh." Elle a dit, "Monsieur, je vois que tu es prophète." Now we haven't had one for 400 years. See? Or, il y a 400 ans que nous n'en avons pas eu. Voyez? I perceive that you are a prophet. Je vois que tu es prophète. Now we know that when the Messiah cometh. Or, nous savons que quand le Messie sera venu, his identification will be that kind of a characteristic. He'll tell us these things. Son identification, ce sera ce genre de caractéristique. Il nous dira ces choses. He said, "I'm he that speaks to you." Il a dit, "Je le suis, moi qui te parle." And upon that, she dropped the water pot, went into the city and said, et là-dessus, elle a laissé tomber sa cruche. Elle est allée dans la ville et elle a dit, "Come see a man who told me the things that I've done." Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Isn't this a very characteristic of the anointed Messiah? Ne serait-ce pas la caractéristique même du Messie ouin? Which is the word that knows the thoughts that's in the heart. C'est-à-dire la parole qui connaît les pensées qui sont dans le cœur. Isn't this the Messiah? Ne serait-ce pas le Messie? Oh man. Oh là là. Look, the woman with the blood issue. Regardez la femme qui avait la perte de sang. He was identified to her by his characteristic. That he was the Messiah. Il s'est identifié à elle par sa caractéristique qu'il était le Messie. The woman with the blood issue identified him, the word. La femme qui avait la perte de sang l'a identifié, lui, la parole. Hebrews 4:12, the Bible said that. Hébreux 4:12, la Bible dit. The word of God is powerful than a two-edged sword. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à deux tranchants. And a discerner of the thoughts that's in the heart. Elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. How many knows that? Combien savent ça? In the mind. Dans l'esprit. That's what the word is. Voilà ce qu'est la parole. You believe he was the word? Croyez-vous qu'il était la parole? You believe he's same yesterday, today, forever? Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? That settles it. Do you believe that? Alors, c'est réglé si vous croyez cela. Notice, this little woman said, "If I can just touch him." Remarquez, cette petite femme a dit,
si je peux seulement le toucher, I don't care how much they say about him. Peu m'importe tout ce qu'ils peuvent dire de lui. Yeah, I believe that he's just what he said he was. Je crois qu'il est exactement ce qu'il a dit qu'il était. If I can touch him, I'll be made well. Si je peux le toucher, je serai guéri. So she slipped through and touched him, went back in the audience. Alors elle s'est frayée un passage jusqu'à lui, elle l'a touché. Elle est retournée dans l'auditoire. Jesus stopped and said, "Who touched me?" Jésus s'est arrêté et il a dit, qui m'a touché? And Peter tried to make him out like he was a neurotic. Et Pierre a essayé de le faire passer pour un névrosé. He said, "Why, everybody, don't say things like that." Il a dit, voyons, tout le monde, ne dis pas des choses pareilles. Well, they won't know what to think about you. Voyons, les gens ne sauront pas quoi penser de toi. A man of your status, and then say, un homme de ton calibre, et tu dis, who touched me? Everybody's touching. Qui m'a touché? Tout le monde te touche. He said, but I perceive I've gotten weak. Virtue's gone from me. Il a dit, mais je sens que je me suis affaibli. De la vertu est sortie de moi. Knowed something had happened. Il savait qu'il s'était passé quelque chose. Now look what comes the next great shock. Maintenant, regardez ce qui arrive, la prochaine commotion. He looked around until he found her. Il a regardé autour de lui jusqu'à ce qu'il la trouve. And he told her her condition and her faith had saved her. Et il lui a dit quel était son état et que sa foi l'avait sauvée. He was identified as the Word of God, knowing the secrets of the heart. Il s'est identifié comme la parole de Dieu, en connaissant les secrets du cœur. Oh my! The Word discerns the body, discerns the heart. Oh là là! La parole discerne le corps, discerne le cœur. Now, just a moment in closing. Un instant maintenant, je termine. Now, as Hebrews 13:8 is true, he's the same yesterday and forever. Alors, comme Hébreux 13:8 est vrai, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. You believe that? Croyez-vous cela? I'm omitting a lot here, I should say. Maintenant, je laisse de côté beaucoup de choses ici que je devrais dire. Then, his character will identify him now. In this present time, alors son caractère l'identifiera maintenant à l'heure actuelle. He's the same yesterday and forever, just like he was then. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, exactement tel qu'il était à l'époque. Is that right? Pas vrai? He's promised it. Il l'a promis. And remember, his characteristic is his identification. Et souvenez-vous, sa caractéristique est son identification. How many understands it? Raise your hand. Combien le comprennent? Levez la main. His characteristic is his identification. Sa caractéristique est son identification. Like those who came from Emmaus, is to say this. C'est comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. Je vais dire ceci. Jesus had been crucified. Jésus avait été crucifié. All of them were sad. Tout le monde était triste. They was in the grave. Ils étaient allés dans le sépulcre. Now they said somebody come and stole him. Maintenant, on disait que quelqu'un était venu le dérober. One day he walked out of some bushes and walked along with them as he went over to Emmaus. Un jour, il est sorti des buissons et il a marché avec eux en allant à Emmaüs. And they say, he said, why are you so sad? Et il disait, il a dit, pourquoi êtes-vous si triste? He said, well, you're just a stranger here. Il a dit, eh bien, tu n'es qu'un étranger ici. And then when he got him inside. Ensuite, quand il les a eu fait entrer, he did something just like he did it before his crucifixion. Il a fait quelque chose exactement de la même manière qu'avant sa crucifixion. It was his characteristic of doing it that way. C'était sa caractéristique de le faire de cette manière. And they quickly recognized by his characteristic that that was the same Jesus that had been crucified. Et ils ont vite reconnu par sa caractéristique que c'était le même Jésus qui avait été crucifié. Amen. Amen. God has raised him up from the dead. Dieu l'a ressuscité des morts. And today his characteristic is the same as it was then. Et aujourd'hui, sa caractéristique, comme elle l'était, la même comme à l'époque. And the returning of the days of Sodom. Et les jours de Sodome qui reviendraient. As Jesus prophesied, the same things to take place. Comme Jésus l'a prophétisé, la même chose doit se produire. When the Son is being revealed to the people. Au moment où le Fils se révélera aux gens. It's identification of his characteristic. C'est l'identification de sa caractéristique. Hebrews 4, 14 and 15. He is now our high priest that can be touched
by the feeling of our infirmities, just like he was then. Hébreux 4, 14 et 15, il est maintenant notre souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, exactement tel qu'il était à l'époque. You believe that? Le croyez-vous? Our infirmities touch him. Well, if it would touch him, nos infirmités le touchent. Eh bien, si elles le touchaient, how would he act if he's the same yesterday and forever? Comment agirait-il s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? His characteristic would be the same. Sa caractéristique serait la même. Then he'd act like he did when the woman touched his garment. Alors il agirait comme il l'a fait quand la femme a touché son vêtement. You believe that? Le croyez-vous? He ever lives. He is ever lives, and his characteristics still identify him today as he was then. Il vit à jamais. Il est vivant à jamais. Et ses caractéristiques l'identifient encore aujourd'hui tel qu'il était à l'époque. Do you believe it? With all your heart? Le croyez-vous de tout votre cœur? God identified by his characteristic identifies him. Dieu identifié par sa caractéristique. Ce qui l'identifie. Let us bow our heads. Courbons la tête. Heavenly Father, we're just men and women sitting here tonight. Père céleste, nous sommes simplement des hommes et des femmes assis ici ce soir. But we are, as it was, handling God when we handle the Word. Mais pour ainsi dire, nous touchons Dieu quand nous touchons la parole. Et Père, je craindrais d'essayer de dire quelque chose qui ne soit pas ici. Je craindrais d'essayer d'en donner ma propre interprétation parce qu'elle pourrait être fausse. And you said, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Et tu as dit, quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. What good would my life be then, Lord, if I do a evil thing like that? À quoi servirait ma vie dans ce cas, Seigneur, si je faisais une vilaine chose comme celle-là? So I just speak it the way it is. Alors, je la prononce telle quelle, tout simplement. And Father, you promised that you would identify. Et Père, tu as promis que tu l'identifierais. I believe that you are risen from the dead 2000 years ago and are alive tonight. Je crois que tu es ressuscité des morts il y a 2000 ans et que tu es vivant ce soir. Calling a simple people just as you've always did. En train d'appeler un peuple simple comme tu l'as toujours fait. One here and one there, no groups, no organizations, no great manners of what man has done. Un ici et un là, pas de groupe, pas d'organisation. Pas de grande réalisation à la manière de l'homme. But you said you'd take a people out of the Gentile, a people. Mais tu as dit que tu prendrais un peuple parmi les nations, un peuple. Two in a field, I'll leave one, take one. Deux dans un champ, j'en laisserai un, j'en prendrai un. Two in a bed, I'll leave one, take one. Deux dans un lit, j'en laisserai un, j'en prendrai un. A people, here and there, for your namesake, the bride. Un peuple pris ici et là, à cause de ton nom. L'épouse. I believe that your character identifies you. Je crois que ton caractère t'identifie. You promised as it was in the days of Sodom. Tu as promis que ce qui arriva au jour de Sodome. So will it be in the day when you were being revealed, the word. Arriverait de même au jour où tu serais révélé, la parole. The word itself of this hour is supposed to reveal the word itself. La parole elle-même de cette heure doit révéler la parole elle-même. Like the word came to the prophets. Tout comme la parole est venue aux prophètes. Father, we see John standing here on earth. Et Père, nous voyons Jean qui était ici sur terre. And there was the word that he was revealing. Et la parole qu'il révélait était là. And the Bible said the word of always comes to the prophet. Et la Bible dit que la parole vient toujours au prophète. And the word was flesh then, so it walked right out in the water to John. Et la parole était chair à cette époque-là. Alors elle est allée directement à Jean en marchant dans l'eau. The word came to the prophet. La parole est venue au prophète. Father God, come tonight. I pray and help us. Dieu notre Père, viens ce soir, je t'en prie.
et viens à notre secours. Help our unbelief. Viens au secours de notre incrédulité. Forgive us of our shortcomings. Pardonne-nous nos manquements. Heal the sick and afflicted. Guéris les malades et les affligés. One word from you, Lord, will mean more than anything any man could say. Une seule parole de toi, Seigneur, comptera plus que tout ce qu'un homme pourrait dire. Just you speak, Father. Just one word will mean so much. Que ce soit simplement toi qui parles, Père. Une seule parole comptera tellement. Now you're the same yesterday, today and forever. Or, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. We commit ourselves to you now. Nous nous remettons à toi maintenant. And we pray that when we leave and go to our homes tonight, we'll say like those from Emmaus. Et nous prions que quand nous repartirons et rentrerons chez nous ce soir, nous disions comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. When they seen him do something to identify to them that he was the risen Lord. Après l'avoir vu faire quelque chose pour identifier devant eux qu'il était le Seigneur ressuscité. No matter how much they said they stole his body away and they did this, that or the other. On avait beau dire, ils ont dérobé son corps et ils ont fait ceci, cela et autre chose. They knew themselves that he was raised from the dead. Eux, ils le savaient qu'il était ressuscité des morts. Won't you tonight show yourself alive to us again? Ce soir, ne veux-tu pas nous montrer que tu es vivant de nouveau? And call those in this fair city and around about that's ordained to life to you. Et appeler à toi ceux de cette belle ville et des environs qui sont destinés à la vie. For we ask it in Jesus' name, amen. Car nous le demandons au nom de Jésus, amen. Now, I'm going to ask you now for about 15 minutes. Maintenant, je vais vous demander maintenant pour une quinzaine de minutes. We're going to be just about 10 minutes late. Nous allons être en retard d'une dizaine de minutes. I'm going to hurry. Je vais me dépêcher. I want to call a prayer cards. I believe Billy G. Prayer cards. G, is that what was given out? G. Je veux appeler les cartes de prière. Je crois que Billy G. Les cartes de prière G. Est-ce celle-là qu'on a distribué? G. Prayer cards G. Let's take 1 to 15 or 20 something. Les cartes de prière G. Prenons de 1 à 15 ou 20 quelque chose. G1, who has G number 1? Raise up your hand, see if it's here. G1, combien? Qui a G numéro 1? Levez la main pour voir si elle est ici. And remember, hold your prayer card, you'll be prayed for. If you don't get it tonight, we'll get it. Et souvenez-vous, gardez vos cartes de prière, on va prier pour vous. Même si ce n'est pas ce soir, on va s'en occuper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right over here as quick as you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, en avant, le plus rapidement possible. And walk right over here, get in line. Avancez-vous ici et mettez-vous dans la file. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 missing in there. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque 3 là. 7. 7. 1, 2, 3... Count them, Roy, for me. 7. 7 et 1, 2, 3. Compte-les, Roy, pour moi. All right. 10. All right. 1 to 10. Très bien. 10. Très bien. De 1 à 10. 15 now. G, 1 to 15. 15 maintenant. G, de 1 à 15. That's 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est-à-dire 15 ou 10, 11, 12, 13, 14, 15. All right. Let's stop there. All right. Très bien. On va s'arrêter là avec celle-ci. Très bien. Now we're trying to keep our word, see, to be out by 9:30. Maintenant, nous essayons de tenir notre parole, voyez-vous, d'être sortis pas plus tard que 9h30. But we're not going to do it tonight. I know. Mais nous ne le ferons pas ce soir, je le sais. But I want everyone to give the uninvited attention. Mais maintenant, je voudrais que tout le monde m'accorde toute son attention. Now, if I have spoke the truth, maintenant, si j'ai dit la vérité and told you that these things are supposed to be, and here it is in the Bible, that this is the hour. Et je vous ai dit que ces choses sont censées se produire, et c'est annoncé ici dans la Bible que c'est maintenant l'heure. You might have been taught in another school. Il se peut que vous ayez été enseigné dans une autre école. So was the Pharisees. C'était aussi le cas des pharisiens. But the Bible said in that day a virgin shall conceive. Mais la Bible avait dit qu'en ce jour-là, une vierge concevrait. She did. Elle l'a fait. He said the characteristics of the Messiah would be thus. It was. Il a dit que les caractéristiques du Messie seraient celles-là. Elles l'ont été. But they didn't believe it. Mais ils ne l'ont pas cru. That didn't stop him from going right on just the same.
ça ne l'a pas empêché de continuer à avancer quand même. Same as it is now. C'est pareil maintenant. We're living in the last hours of the last day. Nous vivons aux dernières heures du dernier jour. Science says it's 3 minutes till midnight. La science dit qu'il est minuit moins trois. I think it's later than that now. Most any time. Je pense qu'il est maintenant plus tard que ça, d'un moment à l'autre. Communism has wormed the country. And preachers are gone after communism instead of Christ. Le communisme s'est insinué dans notre pays. Et les prédicateurs insistent sur le communisme au lieu d'insister sur Christ. It just looks like God trying to condemn that. Why not see the hour we're living in? On dirait qu'ils sont là à chercher à condamner ça. Pourquoi ne pas voir l'heure où nous vivons? Communism, we ain't got my. And I ain't afraid of communism. Le communisme, nous n'avons pas. Oh là là, je n'ai pas peur du communisme. It's the coming of the Lord is going to catch you unprepared, is what it is, to the church. Ce qu'il y a par rapport à l'Église, c'est que la venue du Seigneur va vous surprendre. Vous n'y serez pas préparé. Now, let everybody, let all America turn to God and watch what happens to communism. Or, que tout le monde, que toute l'Amérique se tourne vers Dieu. Et regardez bien ce qui arrivera au communisme. Il faut découvrir quelle est la maladie et ensuite y remédier. Now, everybody reverent. Maintenant, que tout le monde soit respectueux. Please don't move around. S'il vous plaît, ne vous déplacez pas. Now, how many out there that does not have a prayer card and you want God to heal you, just raise your hand. Maintenant, combien dans l'auditoire n'ont pas de carte de prière et vous voudriez que Dieu vous guérisse? Levez donc la main. Say, I'm believing. No matter where you are. Dites, j'ai la foi, où que vous soyez. Now look, I think this is a lie. This, all right. Maintenant, regardez, je pense que celui-ci est branché. Ici, bien. If you have, can you hear me back here? All right. You watch it, brother Roy. Si vous m'entendez-vous ici? Bien, bien. Maintenant, surveille ça, frère Roy. Now, one word from God will mean more than all I could say. Maintenant, une seule parole de Dieu comptera plus que tout ce que moi je pourrais dire. Now, it's looking from here, it's hard. It's always was. Bon, quand on regarde d'ici, c'est difficile. Ça l'est toujours. See, the lights are right in your face, and it's kind of hard to see out there to see the people. Voyez-vous, on a les lumières en plein visage. Et c'est assez difficile de voir dans l'auditoire, de voir les gens. Et je ne sais pas, je ne vois pas une seule personne en fait, de celles que je vois en ce moment que je connaisse. Combien d'entre vous me sont inconnus? Levez la main, vous savez que je ne sais rien de vous. I guess it's everywhere. Je pense que c'est partout. How many prayer line knows I know nothing about you? Raise your hands. Combien dans la ligne de prière savent que je ne sais rien de vous? Levez la main. All along the prayer line there. If you can hear me, raise up your hands if I'm a stranger. Partout dans la ligne de prière là-bas, si vous m'entendez, levez la main. Si je vous suis inconnu. Everyone. Tout le monde. Now, what is he? Maintenant, qu'est-ce qu'il est? He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. That woman who touched his garment, she might not have had a prayer card either. Cette femme qui a touché son vêtement, peut-être qu'elle non plus, elle n'avait pas de carte de prière. But she touched him, and when she did, something happened. Mais elle l'a touché, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Now you touch the same way. Touch him. Maintenant, vous, touchez de la même manière. Touchez-le. How many knows that Hebrews, the fourth chapter, says, combien savent qu'il est dit dans Hébreux chapitre 4? Maintenant, il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. How many know? Combien le savent? Well, would he display his same characteristic? Eh bien, manifesterait-il sa même caractéristique? If he's the same yesterday and forever, he would. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il le ferait. All right. Now, is this the brother Perry? You bring him to me. Très bien. Maintenant, est-ce frère Perry? Maintenant, amène-les-moi. Now, I want everyone to be real reverent. Maintenant, je voudrais que tout le monde soit très respectueux. Right here, just right here, sister. Ici, juste ici, sœur. Now. Can you hear me? Maintenant, m'entendez-vous? Now, I don't know. You watch everybody's on the engineer there, because I don't know how. Bon, je ne sais pas. Surveillez bien celui qui s'en occupe, l'ingénieur là, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. A vision. Now remember, I'm not no Messiah. Une vision.
Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas le Messie. I'm no Christ. Je ne suis pas le Christ. But he is here. Mais il est ici. That's what I'm trying to get you to see. C'est ce que je cherche à vous faire voir. He's here. He's keeping his word. Now, if this woman's sick, I don't know. I don't know her. Il est ici. Il tient sa parole. Maintenant, si cette femme est malade, je ne sais pas. Je ne la connais pas. She's older than I. We probably born years apart and miles apart, and it's the first time we meet. Elle est plus âgée que moi. Nous sommes probablement nés à des années d'intervalle et à des milles d'intervalle. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Now, that's just like our Lord met a woman in St. John 4. Là, c'est comme quand notre Seigneur a rencontré une femme dans Jean 4. I'm trying to make it so clear you can't keep from seeing it. J'essaie de vous rendre ça tellement clair que vous ne pourrez pas faire autrement que de le voir. Then, at the judgment bar, there's no blood on my hands that day. Comme ça, au tribunal du jugement, je n'aurai pas de sang sur les mains ce jour-là. Now, Jesus promised that in the last days this would take place again. Maintenant, Jésus a promis qu'au dernier jour, ceci se produirait de nouveau. As we go through the week, you'll find out. À mesure que nous avancerons dans la semaine, vous verrez ce qu'il en est. It's a promise. C'est une promesse. I do not know the lady. This is a man and a woman meeting for the first time. Donc, je ne connais pas cette femme. Il s'agit ici d'un homme et d'une femme qui se rencontrent pour la première fois. Now, if the Lord Jesus will reveal to me what you're here for. Maintenant, si le Seigneur Jésus me révèle pourquoi vous êtes ici, or somebody else, or what you're doing, or what's wrong with you, or what you have done, ou quelqu'un d'autre, ou ce que vous faites, ou ce qui ne va pas chez vous, ou ce que vous avez fait. If it's finances, domestic, whatever it is, it'll have to come from some supernatural power. Si c'est financier, familial, quoi que ce soit, il faudra que ça vienne d'une puissance surnaturelle. Because I don't know you. Parce que je ne vous connais pas. I'm a witness to that. Combien attesteront cela? It has come through a supernatural power. Qu'il faudra que ça vienne par une puissance surnaturelle. Now, you can play like the Pharisees, say it's a... Bon, vous pouvez jouer le jeu des pharisiens, dire que c'est... Around the other side, Brother Roy, see. Par l'autre côté, frère Roy, vois-tu? You can play like the Pharisees and say it's an evil spirit. Vous pouvez jouer le jeu des pharisiens et dire c'est un mauvais esprit. Which many do. C'est ce que font beaucoup de gens. That's between you and God, then. C'est entre vous et Dieu à ce moment-là. Then you have their reward. Alors vous avez leur récompense. But if you say it's of God, mais si vous dites c'est de Dieu, then you have his reward. Alors vous avez sa récompense. Now, that's better, thank you. Bon, c'est mieux comme ça, merci. Now, just look at me just a minute, as Jesus said. Maintenant, regardez-moi un petit instant. Comme Jésus a dit, comme Pierre et Jean, en entrant par la porte appelée la Belle, ils ont dit, regarde-moi. I do not know you. Je ne vous connais pas. And now, if the Holy Spirit, somebody besides me, et maintenant, si le Saint-Esprit, quelqu'un d'autre que moi, will come and reveal what's in your heart, vient révéler ce qu'il y a dans votre cœur, then the Bible said the Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alors la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées, les intentions du cœur. That's exactly what the Bible says. C'est exactement ce que dit la Bible. Now, that reveals then the secret of the heart. Alors, c'est donc ce qui révèle le secret du cœur. Now that would be the characteristic of God. Alors, ce serait la caractéristique de Dieu. The word made manifest in this day. La parole manifestée en ce jour-ci. How many believe that? Combien croient cela maintenant? Now, I see what it is. Maintenant, vous voyez de quoi il s'agit? Now, I preached it. Bon, je l'ai prêché. Told you about it. Je vous en ai parlé. But is it true? Mais est-ce vrai? That's the next thing. Now, if it's true, every one of you... C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, voyez-vous, maintenant, si c'est vrai, chacun de vous, if it isn't true, she'll know it. Si ce n'est pas vrai, elle le saura. Certainly. She'll know it. Certainement, elle le saura. You'll know it too. Vous le saurez aussi. But if it isn't true, then I've witnessed wrong of Christ. Mais si ce n'est pas vrai, alors j'ai rendu un faux témoignage de Christ. If it is true, each one of you should give your hearts to him. Si c'est vrai, alors chacun de vous, vous devriez lui donner votre cœur. You should believe him with all your heart. Vous devriez le croire de tout votre cœur.
And reach up and accept him for whatever you have need of. Tendre la main vers lui et l'accepter pour tout ce dont vous avez besoin. Amen. That's true. C'est vrai. Now, may the Holy Spirit identify himself. Maintenant, puisse le Saint-Esprit s'identifier. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I have no idea what you're there for. Or, je n'ai pas la moindre idée de ce pourquoi vous êtes là. You just look like a nice looking motherly-like woman standing there, and that's all I know about you. Vous avez l'air d'une gentille femme, bien maternelle, qui se tient là, et c'est tout ce que je sais de vous. But the Holy Spirit can reveal what you're here for, what your trouble is, or something. Mais le Saint-Esprit peut révéler ce pourquoi vous êtes ici, quel est votre problème ou quelque chose. You know whether it's the truth or not. Vous saurez si c'est la vérité ou pas. Now you're what it is you want prayer for. Maintenant, vous êtes ce pourquoi vous voulez recevoir de la prière. Is something like the muscles in your face, it's neurology like in your face. C'est pour quelque chose comme les muscles de votre visage. C'est le côté neurologique comme de votre visage. Now, if that's right, raise up your hand. Maintenant, si c'est exact, levez la main. You believe? Croyez-vous? Now you might say, he just guessed that. Bon, là, vous pourriez dire, il l'a simplement deviné. She's a fine person. Maintenant, elle est quelqu'un de très bien. Just look here just a minute, sister. Maintenant, regardez bien ici un petit instant, sœur. I don't know what he told you, but whatever it was true. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais quoi que ce soit, c'était vrai. You're a witness of that, right? Vous en êtes témoin là, n'est-ce pas? That's right. For 20 years. C'est exact. You believe that God will heal you for that? Oh, vous croyez que Dieu va vous guérir de ça? Now you know it's His presence. There's something here that knows you. Maintenant, vous savez que c'est sa présence. Il y a quelque chose ici qui vous connaît. Something like Jesus said to the woman, He knows where her trouble was. Quelque chose, comme Jésus a dit à la femme, il a su quel était son problème à elle. Now He knows where your trouble was. Maintenant, il a su quel était votre problème à vous. And it seems like it's your burden for somebody else. Et on dirait que vous avez un fardeau pour quelqu'un d'autre. It's a man, it's your husband, he's your also. Right? C'est un homme, c'est votre mari. Il est ici aussi. C'est exact. And you believe that God can reveal your husband's trouble to me? Et vous croyez que Dieu peut me révéler quel est le problème de votre mari? He's a real sick man. He has complications. C'est un homme très malade. Il a des complications. One thing is bothering him is a heart trouble. He has a heart trouble. Une chose qui lui cause des ennuis, c'est qu'il souffre du cœur. Il souffre du cœur. That's right, raise up your hand. Si c'est exact, levez la main. He also has a hernia. Il a aussi une hernie. That's right. Is that right? C'est exact. Voyez, exact. He has a real nervous. He has a real nervous. That's true, isn't it? Oui, très nerveux. Oui, très nerveux. C'est vrai, n'est-ce pas? If Jesus will reveal me, si Jésus me révèle. He told Peter who he was. If he'll reveal to me who you are, will you believe it's him? Il a dit à Pierre qui il était. S'il me révèle qui vous êtes, croirez-vous qu'il s'agit de lui? You're not from here. Vous n'êtes pas d'ici. You come from the east of here. You're from Louisiana. Vous venez de l'est. Vous êtes de la Louisiane. That's right. And your name is Mrs. Coleman. C'est exact. Exact. Et votre nom est Madame Coleman. Return home. Jesus Christ makes you well. Your faith does your healing. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous rétablit. Votre foi opère votre guérison. You believe in all your heart? Maintenant, croyez. Croyez-vous de tout votre cœur? Jesus Christ identifying himself in his resurrection. C'est Jésus-Christ qui s'identifie dans sa résurrection. You see what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Now, anybody that's got a normal mind knows that no human being can do that. Maintenant, n'importe quelle personne sensée saurait qu'aucun être humain ne peut faire ça. Now you out there, you say to God like this. Maintenant, vous dans l'auditoire, dites à Dieu comme ceci. I know the man doesn't know me. Je sais que cet homme ne me connaît pas. So I'm going to pray for something.
alors je vais prier pour quelque chose. Lord, can I touch your garment? Seigneur, est-ce que je peux toucher ton vêtement? If it is, then you identify yourself in your resurrection. Si oui, alors identifie-toi dans ta résurrection. Turn, let me touch you. Retourne-toi, laisse-moi te toucher. You speak through him to me. See what happens. Et ensuite, parle-moi à travers lui. Voyez ce qui arrivera. Faites-en donc l'essai. How do you do, sir? Bonjour, monsieur. Would you come this way just a little closer? Voudriez-vous vous avancer par ici, un peu plus près? There's people back behind you there, see? Là-bas, il y a des gens derrière vous, voyez-vous? Everything now, it's your every spirit is just like a throb. Maintenant, tout, c'est chaque esprit est comme un battement. You catch it. On le capte. Also, no other thinking. Voyez-vous, on perçoit aussi leurs pensées à eux. And it gets, you get all mixed up. Et ça devient, voyez-vous, on ne s'y reconnaît plus. You believe me to be his servant? Croyez-vous que je suis son serviteur? You believe that Christ could reveal to me what you're here for? Croyez-vous que Christ pourrait me révéler pourquoi vous êtes ici? Remember, we're going to meet at the judgment bar someday and give an account for this tonight. Souvenez-vous, nous nous rencontrerons un jour au tribunal du jugement et nous rendrons compte de ceci, de ce soir. You aware of that? Vous en êtes conscient? Your trouble, one of them is in your back. Votre problème, un de vos problèmes se situe au niveau du dos. You have many troubles. Vous avez beaucoup de problèmes. You have a back trouble. Vous avez mal au dos. And your eyes are going. You have eye trouble. Et vous êtes en train de perdre la vue. Vous avez des problèmes d'yeux. That's right, raise up your hand. Si c'est exact, levez la main. Now, you also are doing something you want to get away from. Bon, il y a aussi quelque chose que vous faites dont vous voulez vous débarrasser. Vous n'avez pas d'objection à ce que je le dise? You want to quit that smoking? Vous voulez cesser de fumer. And another thing, you've had... Et autre chose, vous avez eu... Do you feel that that's been the thing that's hindered you from receiving the Holy Ghost? Vous avez l'impression que c'est cette chose-là qui vous a empêché de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. C'est un désir dans votre cœur. That's right, wave your hands like this. C'est exact. Faites signe de la main, comme ceci. Well, it's left you now. Eh bien, c'est parti maintenant. Go receive the Holy Ghost. Allez recevoir le Saint-Esprit. Et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse, monsieur. You believe? Vous croyez? Please be real reverent. Maintenant, s'il vous plaît, soyez très respectueux. Now, we're getting real late. Just sit still just a moment. Maintenant, il commence à être vraiment tard. Restez assis tranquillement un petit instant. How do you do? We are strangers to each other. Bonjour. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. The Lord Jesus knows us both. Le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Now, don't be afraid. See, you're coming. See, just relax. It's his presence. N'ayez pas peur, là. Voyez-vous, vous êtes un peu, voyez-vous, détendez-vous. C'est sa présence. See, that's it. It's his presence. Voyez-vous, c'est ça. C'est sa présence. Now, you have a real strange feeling. Maintenant, vous éprouvez une sensation très étrange, bizarre. Kind of a sweet, humble-like feeling. Une sensation pleine de douceur, d'humilité. Voyez, hors de vous tenir dans la présence d'un homme, vous ne vous sentiriez pas comme ça. How many ever seen that light, that pillar of light, fire? Combien ont déjà vu cette lumière, cette colonne de lumière, ce feu? It's taken right here in Texas, first time, second time. Elle a été photographiée ici même au Texas, la première fois, la deuxième fois. It's hanging right with the woman. Elle est suspendue juste là, près de cette femme. See, in this dimension now, voyez-vous, dans cette dimension maintenant, I wish you would just, if you just see, j'aimerais vraiment que vous, si seulement vous pouviez voir, when you're moving, that's what does it, see. Quand vous vous mettez à vous déplacer, c'est ce que ça fait, voyez-vous. Tomorrow night we'll have this prayer line by 9 o'clock, see. Demain soir, nous formerons la ligne de prière au plus tard à 9 heures, voyez-vous. I'm keeping too long. Je vous retiens trop longtemps. Let's take this one woman in. Just a minute. You believe?
Sitting there? Yes? Alors, arrêtons-nous sur cette femme ici. Un instant. Vous croyez assise là-bas? Oui? For that weakness you're bothered with? Cet état de faiblesse qui vous affecte? That's what's wrong. C'est ce qui ne va pas. See, what did she touch? Voyez, qu'est-ce qu'elle a touché? I don't know the woman. Je ne connais pas cette femme. She touched the high priest. Elle a touché le souverain sacrificateur. See, I had my back to her. Mais voyez-vous, je lui tournais le dos. Just as it did Abraham's time. Exactement comme ça s'est passé à l'époque d'Abraham. Here, look this way, sister, just a minute. Tenez, regardez par ici, sœur, un petit instant. You seem to have a burden on your heart. Vous semblez avoir un fardeau sur votre cœur. It is. It's your daughter back there. C'est ça, c'est votre fille, là-bas au fond. She's got trouble with her ears. That's right. Elle a des problèmes avec ses oreilles, c'est exact. You believe now with all your heart? Vous croyez maintenant de tout votre cœur? All right, just believe now. She'll get well. Très bien, maintenant croyez, simplement, et elle se rétablira. See what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? If thou canst believe, all things are possible. Si tu peux croire, tout est possible. Do you believe? Croyez-vous? There's a little lady who stuck her hand down back there. Il y a une petite dame qui a baissé la main là-bas. She's looking right at me. Elle regarde droit vers moi. She's suffering with diabetes. Elle souffre du diabète. Do you believe that God will heal that diabetes sitting there? Croyez-vous que Dieu va guérir ce diabète assise là-bas? All right. You have what you ask for, then. Just believe. Très bien. Vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Alors, croyez seulement. Lady over there from me has got colon trouble and bladder trouble. La dame près de vous là-bas a des problèmes de colon et de vessie. You believe that God will heal that? Make that well? Croyez-vous que Dieu va guérir ça, rétablir ça? All right, you can have what you ask for. Très bien, vous pouvez avoir ce que vous demandez. La main de la petite dame. See, now look, just answer. Something real sweet struck her. Voyez-vous, maintenant regardez. Vous n'avez qu'à lui demander. Quelque chose d'une grande douceur l'a touchée. See, her faith, that's what's doing it. Voyez-vous, sa foi, c'est ça qui agit. It's not me. Ce n'est pas moi. It's God. C'est Dieu. There, there's a man sitting right here on the end. Tenez, voici un homme assis ici au bout. He's got bronchial trouble. Il a des problèmes avec ses bronches. This elderly man sitting right here looking at me. Cet homme âgé, assis juste ici, qui me regarde. You believe that God will heal that, sir? Vous croyez que Dieu va guérir ça, monsieur? That one sitting next to you is suffering with an infection in her body. Celle qui est assise à côté de vous souffre d'une infection dans son corps. That's right, sister, wave your handkerchief, but that's right. C'est exact, sœur. Agitez votre mouchoir si c'est exact. All right, you all lay hands on one another. Très bien. Très bien. Imposez-vous les mains l'un à l'autre. Believe with all your heart. Croyez de tout votre cœur. Father, daughter, so why not? Père et fille, alors pourquoi pas? Lay your hands on one another and believe with all your heart. Imposez-vous les mains l'un à l'autre et croyez de tout votre cœur. Jesus make you well. Jésus vous rétablira. I challenge your faith to believe it. Je défie votre foi de le croire. The lady sitting right behind him there is suffering with a stomach trouble. La dame qui est assise juste derrière lui, là, elle souffre de maux d'estomac. You believe God will make you well, lady? Vous croyez que Dieu va vous guérir, madame? That's your trouble. That's why I stand up on your feet so the people can see. See? C'est votre problème. Si c'est exact, levez-vous pour que les gens voient. Voyez? Who are they touching out there? Qui touche-t-il dans l'auditoire? Say, I'm not mistaken, there's your mother sitting next to you here. Dites donc, je ne me trompe pas, c'est votre mère qui est assise à côté de vous là. She has an infection in her bowels. Elle a une infection intestinale. Do you believe that God will heal that lady? Vous croyez que Dieu va guérir ça, madame? Stand up also and be healed. Levez-vous vous aussi et soyez guéris. Believe. Croyez. He's the same yesterday, today and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He identifies himself. Il s'identifie. You believe me to be his prophet? Croyez-vous que je suis son prophète? Servant. Ou serviteur. That stumbles the people, say prophet. Les gens s'achoppent à ça, de dire prophète. They don't understand. Ils ne comprennent pas. Look here. Regardez ici. You believe with all your heart? Croyez-vous de tout votre cœur? You're suffering with an extreme nervousness. Vous souffrez d'une nervosité extrême. You believe I can tell you what caused it? Vous croyez que je peux vous dire ce qui a provoqué ça? You had an automobile accident. Vous avez eu un accident d'automobile. That's right.
That's right. Automobile wreck, and it's hurt your back and your shoulder. C'est exact. C'est exact. Un accident en voiture, et vous vous êtes blessé au dos et à l'épaule. Is that right? Et c'est exact. It's going to leave you now. Ça va s'en aller maintenant. Just the time of life. Oh, so it's bothering it, agitating it, but you're going to be all right. Il y a aussi votre retour d'âge qui vous affecte, qui vous trouble, mais tout ira bien pour vous. Don't believe with all your heart. Allez, croyez de tout votre cœur. Jesus Christ will make you well. Jésus-Christ vous rétablira si vous croyez. Amen. You believe? Vous croyez? You believe he can heal arthritis? Vous croyez qu'il peut guérir l'arthrite? Well, just keep on walking and he'll make you well. Eh bien, continuez simplement à marcher, alors il vous rétablira. How many believe with all your heart? Combien d'entre vous croient de tout leur cœur? Say, I truly do believe with all my heart. Dites, je crois vraiment de tout mon cœur. If thou canst believe, si tu peux croire, you believe he heals diabetes and makes people well, sugar diabetes and heals them. Vous croyez qu'il guérit le diabète, qu'il rétablit les gens qui ont du diabète sucré et les guérit? You believe me? Vous le croyez? Just keep on walking, say, Lord, I thank you for it. Hallelujah. Continuez simplement à marcher. Dites, Seigneur, je t'en remercie. Believe with all your heart and you shall be healed. Croyez de tout votre cœur et vous guérirez. How many believes out there now with all your heart? Combien dans l'auditoire croient maintenant de tout votre cœur? Don't see you're moving around, you're disturbing it, friends. Ne, voyez-vous, vous vous déplacez, vous le dérangez, mes amis. I'll tell you, how many believe? Je vais vous dire, combien croient? Just raise up your hand and say, I believe with all my heart. Levez simplement la main, dites, je crois de tout mon cœur. I'm going to ask you to do something. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Now, if Jesus has kept his word, or, si Jésus a tenu sa parole, and has proved it to you, et vous le croyez, et il vous l'a démontré, Jesus also said this, his last commission to his church. Jésus a aussi dit ceci, la dernière commission qu'il a donnée à son Église. These signs shall follow them that believe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Now, how many believe? Maintenant, combien croient? He said, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Il a dit, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. You believe that promise? Croyez-vous cette promesse? Then lay your hands on somebody next to you. Alors imposez les mains à quelqu'un près de vous. If he doesn't heal you, you'll die. S'il ne vous guérit pas, vous allez mourir. You're shattered. Vous êtes sous une ombre. But Jesus Christ makes you well. You believe it? Mais Jésus-Christ vous rétablit. Le croyez-vous? Très bien. Mettez, allez-y, croyez maintenant et vous vous rétablirez. Come, lady. Venez, madame. You believe that God will heal that TB and diabetes, make you well? Croyez-vous que Dieu va guérir cette tuberculose et ce diabète et vous rétablir? Prenez, très bien, allez croire de tout votre cœur et soyez rétablis. Praying, are you praying one for another? En prière. Êtes-vous en prière les uns pour les autres? Lay your hands on one another, let's just pray all together. Imposez-vous les mains les uns aux autres et prions tous ensemble. Everybody lay your hands on one another. Tout le monde, imposez-vous les mains les uns aux autres. It's getting late. Il se fait tard. Put your hands on one another, let's pray. Posez vos mains les uns sur les autres et prions. Lord Jesus, we are sure that God identifies himself among his people. Seigneur Jésus, nous sommes certains que Dieu s'identifie parmi son peuple. His characteristics as the same yesterday, today and forever manifest themselves. Ses caractéristiques d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement se manifestent. Oh Lord God, you who made the promise of the word. Oh Seigneur Dieu, toi qui as fait cette promesse de la parole. You said these signs shall follow them that believe. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. If they lay their hands on the sick, they shall recover. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. These people have confessed to be believers. Ces gens ont confessé qu'ils étaient des croyants. The believers in the resurrected Jesus. Les croyants au Jésus ressuscité. Who is identifying himself now by the same characteristic that he was when he was here on earth. Qui s'identifie maintenant par sa même caractéristique. Comme quand il était ici sur terre. Making the scriptures positive truth. Ce qui rend les Écritures
incontestablement vrai. That he's the same yesterday, today, and forever. Comme quoi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lord Jesus, with these believers with their hands on each other. Seigneur Jésus, alors que ces croyants ont les mains posées les uns sur les autres. In the divine presence of the resurrected, identified Son of God. Dans la présence divine du Fils de Dieu ressuscité, identifié. Who is made flesh among us again tonight. Qui s'est fait chair parmi nous de nouveau ce soir. In the flesh of his believers. Dans la chair de ses croyants. I command every unclean spirit. J'ordonne à tout esprit impur. Every sickness and disease. À toute maladie et affection. To depart out of these people. De sortir de ces gens. As these believers have their hands on one another. Alors que ces croyants ont les mains les uns sur les autres. In the name of Jesus Christ, may it be so. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. All that will believe your healing now. Tous ceux qui vont croire à leur guérison maintenant. That believes it right now. Qui croient qu'en ce moment même. In the identified presence of the resurrected Son of God. Dans la présence identifiée du Fils de Dieu ressuscité. That you believe that you have your request given to you. Vous croyez que votre requête vous est accordée. And we'll identify the same thing. Et vous êtes prêts à identifier qu'il en est bien ainsi. Stand on your feet and say, levez-vous et dites. I accept it with all my heart. Je l'accepte de tout mon cœur. Stand up, everybody, in the presence of Jesus Christ that will believe. Levez-vous, tous ceux dans la présence de Jésus-Christ qui vont croire. Praising. Louez-le. Give him praise and glory. Donnez-lui la louange et la gloire. Just raise up your hands and give him thanks. Levez simplement vos mains et rendez-lui grâce. God will confirm every promise that he made. Dieu confirmera chaque promesse qu'il a faite.